Azina tuntungenge wosombara nugu. Bakane gware atofo buruzo. Onye si no buru ya. Hey. Not the great of four from Odike. Oh! Was that the sign I saw at the bush? Que suis-je en train de voir? N'est-ce pas le grand effort du Mouké? Oh! Donc c'est le signe que j'avais vu dans la brousse? Hey! Aro! L'inacceptable se serait produit dans ces cas. Kaka no gu, I che te go bi si anike. Ike mbam. Dis-moi, c'est quoi le problème? Tu ne mets jamais à Paris sous cette forme. Hein? Oui, je savais que l'inacceptable se serait produit. Voilà pourquoi tu es là. Dis-moi. Ike gannam o ga de ke si amie Thank you.
That's a winning strike. Great warrior. Le guerrier en personne. Ouais, c'est ça. C'est exact. Exactement. Exactement. Ouais, ça c'est la frappe de victoire. Ike. Vaillant guerrier. Ike. Le grand guerrier. Ike. Salut Okodiki, les grands guerriers du royaume de Omondo. Salutations. Oh, salut, jeune fille vénérée de notre grande prêtresse, Adora. Bienvenue. Merci. Que le Dieu soit loué. La prêtresse nous a demandé de t'accueillir pour cette victoire dans la bataille de la suprématie. Bien sûr. Notre grande prêtresse, Adora. Merveilleuse déesse de la guerre. Comment va-t-elle? Très bien, elle est en merveille. Ok. Oui, Okadike. La prêtresse est très enchantée de votre victoire. Elle demande à ce que vous puissiez venir dans sa chambre pour célébrer la victoire avec la déesse de la guerre. Oh, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Oui, elles ont raison. Nous devons aller dans sa chambre pour célébrer notre victoire. C'est extrêmement important. Je pense que c'est le mieux à faire. Oui. Je ne pense pas que ce soit toujours nécessaire. Ouais, nous étions allés au combat et nous avons remporté la victoire. Et nous la célébrons déjà, alors je ne pense pas que ce soit encore nécessaire d'aller chez elle. Certainement, vous ne voyez pas les choses de la même façon que la prêtresse. C'est elle qui est la gardienne de notre culture et tradition. Et tant que telle, ses paroles sont des ordres. La prêtresse a demandé que tu viennes avec nous pour ton rituel. C'est très important. Le rituel? Quel rituel? Oui. Oui, c'est la tradition. Elle a demandé que tu viennes chez elle avant d'aller où que ce soit. Notre grand leader est parti. Salut, les grands guerriers Omondike. Je te salue. La déesse de la guerre te salue. Salut, prêtresse Adora, l'œil des dieux. Bienvenue dans la conquête de Omobiala. Tu es honoré par la déesse. Cela vaut une célébration. Les servantes, sortez le vin de palme qui est fait par les grands Okumwe. Et la nourriture, nous allons nous réjouir. Parce que les dieux nous ont donné la victoire sur nos ennemis jurés. Les Omobiala nous sont assujettis et sont devenus
notre esclave. J'apprécie ça, ma prêtresse. Alors je demanderai que nous allions directement au rituel de la victoire qui sera effectué par toi avant d'aller chez les dirigeants de cette communauté pour la célébration proprement dite de la victoire. C'est comme ça que ça se fait. Oh oui. Le rituel. Oui, ma prêtresse. Je m'en souviens. Je suis désolée. J'avais déjà oublié. Le grand rituel sera fait par la déesse. Ah, d'accord. Allons-y immédiatement et faisons-le d'abord. Viens avec moi, l'hôtel. Obiabo Alomo. Ça va. Monia, ça va. Je prie que tu te consoles. Hey. Cette mort subite. Hey! Dikana. Hey! Mais courage. Courage, mais. Il est parti. C'est bon. Voilà, prêtresse Adora. Elle te rejoint bientôt. Prends d'abord ce vin de palme en attendant son retour. Patrice. Mon grand guerrier. Ouais, tu es là. Pas ton vin de palme. Écoute, je demande que nous allions avec le rituel, s'il te plaît. Le servant y apprête les ustensiles. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de te relaxer et de prendre ton vin de palme. Prêtre, s'il te plaît, il n'y a pas le temps. D'ailleurs, les dirigeants de cette communauté m'attendent pour la célébration de la victoire. Je suis là pour les rituels. Alors, peut-on laisser ceci et faire ça? Es-tu vraiment sûr que rien ne se passe entre eux? Relax. Sois calme, mon cher. Tout va très bien. Ah! Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Wow! Tout ça pour nous? Oui. Sens-toi à l'aise. Je suis le rituel préparé pour toi. Quoi? Par les dieux. Désolé, prêtresse, je ne te comprends pas. Avec toi. Écoute, je ne te comprends toujours pas. Désolé, je ne suis pas ici pour ça. Peux-tu arrêter, s'il te plaît? Fais pas dire, mon cher. C'est bon. S'il te plaît. Arrête. Ok, arrête. Je suis ici pour les rituels et non pour ça. En tout cas, c'est bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un tel repas. Presque une année. Ah. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve ça. Hein. Et qu'est-ce que Ogadike était en train de manger à l'intérieur là-bas, selon toi? Regarde comment la nourriture te rend faible.
Ah, je suis un homme fort, non? Qu'est-ce que tu crois? Je suis d'accord avec leur leader. Allez, je suis la cuvette fabriquée. Des dieux pour toi. Je suis là pour toi. Je veux te rajeunir. Non, arrête. Reviens ici, Okadike. Okadike, reviens ici. Mon cher, tu sais... Okadike. Au revoir. Finissez votre nourriture. Revenez, s'il vous plaît. Okadike. Okadike. Yarara, alleluia. Hey. Ici Bouka, alleluia. Ozo Konkwezane. Ozo Konkwo. So il fa vez yoku. Donc ceci est vrai. Pourquoi? Pourquoi? Okage na chigisi bekwata. Pourquoi rejoindre tes ancêtres si tôt la journée? Hey, très tôt. Les coqs n'ont même pas chanté pour que tu écoutes. Demandez-le. Demandez-le pour moi. Hey! Le poussant est tombé. La lumière du Moudike a été éteinte. Notre grand leader est parti. Le grand leader du royaume du Moudike. Mon ami intime, Ozo Konkwo. Que nos ancêtres puissent t'assister. Ici. Où que tu sois. Ici. Ici. Ozezibo. Ezemo. Passe devant. Que je vienne devant. Me voici. Obiabogom. Tu es le second dans la lignée pour devenir leader de cette communauté. Obiabogom. Nos ancêtres t'ont choisi. Hey. Présentement, je vais te rendre
l'emblème de ce grand royaume. Comme notre tradition et nos coutumes l'exigent, tu seras couronné comme roi de ce grand royaume. Juste après l'enterrement de Ozokonkwa, c'est en ce moment-là qu'on va te couronner. Oh. Comment notre grand leader peut nous quitter aussitôt? Même dans un deuil, Omodike est en train de rire. Je peux sentir une victoire qui vient de nous être donnée par nos vaillants guerriers. What was the meaning of that? That was so careless of you. You are warriors. You have been vigilant all the time. You don't need to be that careless. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous étiez si imprudent. Vous êtes des guerriers. Vous devez être vigilant tout le temps. Vous ne devez pas être imprudent. Vous ne deviez pas manger là-bas. Mais non. Hey, n'essaie pas de me convaincre avec ça. Vous pensiez quoi? Arrête de donner des excuses. Nous sommes vraiment désolés. Ça n'arrivera plus. Oui, nous en sommes désolés. Zoma, ta grande sœur. Elle est informée au Mazé au Carrefour de la mort de notre père. Hey! Ozokonkwa,
Notre grand leader est parti. Notre futur roi n'est plus. Qu'est-ce que Zemon a dit? Rien. Il a dit qu'il sera enterré avec honneur, comme le leader de cette communauté. Tu ne réponds plus à mes salutations. Pourquoi? Parle-moi, comme d'habitude. S'il te plaît, parle-moi. Je ne suis pas tranquille. T'ai-je offensé quelque part? Ouzoma, écoute, tu as juste perdu ton père. Hmm? Ce n'est pas le bon moment pour ça. S'il te plaît, va à la maison. Ok, nous pleurons d'abord ton père. Ce n'est pas le bon moment. S'il te plaît, va à la maison. Ah, ça va, ça va. Ce n'est pas le bon moment. D'accord, tu es attristé. S'il te plaît, va à la maison. When we need men like him, why? Gods of our ancestors, why? Nos dieux, pourquoi est-ce qu'on mourrait-il à un moment comme ça où nous avons besoin de gens comme lui? Pourquoi? Dieu de nos ancêtres, pourquoi? Ozo Konko, pourquoi tu es parti comme ça? Tu n'es pas assez âgé. Pourquoi mourir si soudainement sans nous donner un signe? Qu'allons-nous faire du progrès de ce royaume pour lequel tu luttais? Les hommes de bon cœur comme toi ne devraient pas mourir à un moment pareil.
Hey, arrête de tourner comme ça. Hey! Okadike, y a-t-il un problème? Tu ne dis rien. Depuis que nous sommes revenus de notre victorieuse guerre contre Umobiala, nous devons célébrer. Nous devons vraiment Ojadike, peux-tu t'écouter toi-même? Ouais, nous avons gagné une guerre. Nous avons gagné une bataille. Mais nous avons perdu quelqu'un. Un homme fort, un grand homme de cette terre est parti. Un grand Iroko est tombé. Ozonkonko, le leader intérim, un futur roi de cette terre, est mort. Et vous attendiez à ce que nous célébrions une victoire. Ouais, j'ai gagné une bataille. Mais j'ai perdu quelqu'un. Nous sommes endeuillés. Nous sommes censés pleurer et pas célébrer. Je ne suis pas de cette humeur, s'il vous plaît. Alors, qu'allons-nous faire? Okadike, qu'allons-nous faire alors? Que sommes-nous censés faire? Devons-nous rester ici à pleurer pour toujours? Ibeko, laisse-moi tranquille, va chez toi et pleure. Je suis endeuillé, s'il te plaît. Priestess, what are you doing in my heart? I mean, this is quite unusual. Greetings, the greatest warrior of our time. Mes salutations. Prêtresse, qu'est-ce que tu fais? Chez moi, ton apparition ici est un fait inhabituel. Mes salutations, grand guerrier de notre temps. La déesse de la guerre est contente de tes progrès. Ah, merci. Je veux l'emmener à un niveau supérieur. Ok, un niveau supérieur. S'il te plaît, j'ai pas compris. Je vais te rendre le plus grand. Pas seulement le plus grand, mais le plus riche dans tous ces nefs villages. Ok, mais comment penses-tu faire ça? Je veux dire, comment c'est possible? Oui, je peux le faire. La déesse de la guerre peut te rendre le plus grand et le plus riche dans tous ces royaumes. Si seulement tu l'acceptes... Accepter quoi? Épouse-moi et je te rendrai le plus grand dans tous ces royaumes. Bonjour, oh, la voilà qui arrive. Je suis désolée pour le retard. Tu connais mon père. Il me fait encore demander de faire pour lui quelque chose. Ça va. Enfin, tu es là. Comment tu vas? Je vais bien. Et alors toi? Je vais bien, tu vois. Je ne suis qu'en train d'arranger certaines choses. Et tu vois, en tant que guerrier, je suis en train de me préparer pour quelques combats encore. La prêtresse. 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 Mais il faut la suivre. Prêtresse. Es-tu venue chercher? Vas-y. Non, cours après toi. Elle. Es-tu sûr? Oui, elle se portera bien. Elle se portera bien, d'accord. Non, ça va. Ok, allons à l'intérieur, ce sera bien. Non, allons à l'intérieur, ce sera bien. Ok? Quelle humiliation! Quelle insulte!
Quelle audace! Dicky est l'homme que mon cœur aime. Mais cette crétin, cette faurien, vient se pointer sur mon chemin. Cette fille est moindre pour m'enfronter et épouser Dicky. D'abord, c'était ma cousine. Ma pauvre cousine Ifunanya. Maintenant, c'est celle-ci. Dicky, si seulement tu peux comprendre combien je t'aime. Si seulement tu sais combien je vais te rendre le plus riche et l'homme le plus fort de ce royaume. Si seulement tu savais. Dicky. Salutations, ma prêtresse. Votre cœur est troublé. Ne nous dites pas que vous continuez de penser à lui. Ma chère, tu ne comprends pas encore ce qui c'est l'amour. L'amour est plus fort que la douleur. Mon cœur le veut. Il est le seul homme que j'ai jamais aimé dans toute ma vie. Ma prêtresse, suivez votre cœur. Elle ne peut pas voir ce qui vous appartient. Dicky va bientôt revenir à la raison. C'est ce que tu penses. Je le sais bien. Aucun homme conscient ne peut rester dans des erreurs. Il va revenir à la raison. Je sais. Je sais qu'il reviendra dans ses sens. Je sais quoi faire. Priestess, you're welcome. Hail Okadike. Prêtresse, bienvenue. Hey Okadike, le plus fort et le grand guerrier de notre royaume. Je suis là pour toi. Prêtresse, que fais-tu chez moi? Cette visite est très inhabituelle. Bien. Je suis venue te démontrer l'amour que j'ai pour toi. Pour quelqu'un comme moi, quitter mon hut et venir jusqu'ici veut dire tout simplement que tu es spécial pour moi. Wow. Les mots d'une femme brave sont comme un aimant qui attire un morceau de fer. Bien qu'il puisse apparaître attirant, très parfait au commencement, mais à la fin, peut être une destruction. Le paroles d'un homme brave sont aussi douces comme du miel. C'est très doux pour son amour de les entendre.
L'amour est plus fort que la douleur. Écoute, Okadike, quand je dis que je t'aime, ça veut dire tout pour moi. Alors je suis là pour te déclarer mon amour. Prêtresse, je te l'avais dit avant. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas disponible pour toi. Selon les dieux, Ijoma, la fille des Igbo, n'était pas destinée. Ma cousine Ifunaya, ma pauvre cousine Ifunaya, sa mort a laissé un vide qui ne peut être comblé que par une personne de sa lignée. Je n'attendais que toi pour me proposer, pour venir à moi, mais tu ne l'as jamais fait. C'est pourquoi je suis venue ici, pour en parler avec toi. Ok. Un vide. Alors, qui va remplir le vide? Toi? Oui. Allez, mon guerrier. Écoute-moi. J'ai tout ce qu'il faut. Tous les potentiels. Pour combler ces vides. Tu sais pourquoi? Moi, je suis l'œil des dieux, la servante la plus puissante de ce royaume. Et l'union entre toi et moi rendra ce royaume l'un des plus grands. Et tu le sais bien, n'est-ce pas? Prêtresse, je dirais que je suis très impressionné. Mais, prêtresse, s'il te plaît, avec tout respect, Je m'entraînais quand tu es arrivé. Alors ça ne te dérange pas, je veux que tu partes. Ok? Va-t'en, je veux continuer mon entraînement. N'ose pas me repousser. Oh, allez. Veille sur tes paroles. D'accord. Je ne voulais pas te manquer de respect. Mais maintenant, prêtresse, tu es en train de me pousser. S'il te plaît, juste va-t'en. Ne me pousse pas non plus, Okadike. Ne me pousse pas. Ouvre tes oreilles, Okadike. Le fait que je quitte mon hutte pour venir dans cet endroit ne te donne pas les kilos de me parler d'une certaine manière. Je suis l'œil de Dieu. La prêtresse de Dieu de la guerre. Ne me pousse pas. Okadike, n'ose pas me pousser. Je vais m'en aller. Prends le temps de réfléchir sur ma proposition. By the gods, why do I feel so attracted to him? Despite his hesitation to my love advice. Les dieux. Mais pourquoi je me sens très attirée à lui? En dépit des excitations et des avances que je lui fais. Pourquoi mon cœur est très lié à lui et à lui seul? Mais pourquoi il ne peut pas comprendre ça? Mais pourquoi il n'arrive pas à le voir que je suis la volonté de Dieu pour lui? Pourquoi? Mmh.
Okadike, si je ne réussis pas à t'avoir, personne d'autre ne t'aura. Father, where do you think you're going to? Father, I'm going to see Dike. Ijeoma. Papa. Où penses-tu aller? Papa, je pars voir Dike. Je t'ai averti plusieurs fois sans compter d'arrêter de faire quoi que ce soit ou de voir ce vagabond, mais tu ne veux pas écouter ton père. Hein? Papa, dis que mon amour n'est pas un vagabond. Il est le plus grand guerrier que ces royaumes aient connu. Papa, pourquoi es-tu contre lui? Pourquoi? Donc, c'est tout ce qui t'intéresse. Hein? Oni amalomboeni lozoasi abozu. Aussi te nom babobia. C'est abominable. Ouais. Je ne comprends rien. Ok, tu comprendras. Ce que un vieux voit assis, même si tu escalades la plus haute montagne, tu ne vas jamais le voir. Maintenant, je t'interdis, dorénavant, de voir ce garçon. Je ne veux jamais te voir avec lui ou faire quoi que ce soit avec lui. Non, papa. Mais si tu veux me défier, essaie et tu verras. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Papa, tu ne peux pas me faire ça. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi seulement moi, papa? Pourquoi? Ok, tu continues à me poser cette question. Garde! Garde! Papa, s'il te garde. Plaît. Papa, je t'en prie, ne fais pas ça. Arrête. Votre Majesté. Dorénavant, surveille-la. N'importe où elle veut aller, faites-moi savoir. Surveille-la. Dorénavant. C'est compris. Va à l'intérieur. S'il te plaît. Papa, allez, ne me bouge. Touchez pas. Papa, pour... allez, va à l'intérieur. Ne me touchez pas. Papa, pourquoi tu me fais ça? Il faut la surveiller. Pas, je refuse. Papa, il faut la surveiller. S'il te plaît, papa. Il faut bien papa, la surveiller. S'il te plaît. Conduis-la à l'intérieur. Regarde-moi ça. Papa. De n'importe quoi. Tu cherches à me défier, non? Et si on verra qui est le chef de cette famille? Tu veux me défier? Oui, oui, une fille stupide. Continue à ne pas m'écouter et tu verras ce que je vais te faire. On verra qui est qui dans cette maison. Je vais te montrer dans cette maison de quel bois je me chauffe. Mon homme fort, je t'ai dit que un jour, je serai le leader de cette communauté. Voilà. Ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Et très bientôt, je serai le roi de ce royaume. D'accord. Je ne l'avais jamais cru. Jusqu'à ce que tu le dises, c'était juste comme de la magie. Comme si les dieux n'attendaient que tu sortes cette phrase de ta bouche. Oh, wow. On est aimé. Les dieux sont avec moi. Tout ce que je dis, ils réalisent ça. Ça, c'est bon. Boire, amuse-toi, sois à l'aise. Il faut fêter. Je veux que vous dépensiez, profitez de mon argent. Célébrer. Je ne sais même pas pourquoi les autres anciens ne sont pas là. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils sont censés être ici en ce moment. Hein? En tout cas, tu sais comment est ce monde. Certains gens ne sont pas contents quand ils sont censés être contents avec toi. Mais tu ne peux pas savoir s'ils sont contents ou s'ils ne le sont pas. Manoba Sarao, pour moi, c'est de faire sortir l'argent, rendre mon peuple heureux et le laisser en profiter. Ouais, c'est bien d'être heureux et profiter un peu de la vie avec eux. Salut. Odibo Nyaou. Qu'en est-il de la nourriture? Je pense que c'est pour maintenant. Je le prépare. Tu es toujours sûr ça? Tu sais qu'il y a beaucoup de nourriture. Mais, Naï, Mazibeke et toi, vous ne serez pas finis pour cette nourriture. En quoi cela fait ton affaire? Tu parles de quoi même? Les autres arrivent. Va apporter de la nourriture. Hein? Je vais rapidement. Okay. Ils sont en route. Oui, Oso Idibo. Oui. As-tu informé d'autres anciens concernant cette présente réunion? Oui, je les ai informés moi-même. Ouais. Parce que
J'ai vu un Mazie Udoka et Obi qui venaient de rendre visite à la famille de Ozo Konkwa. Et je leur ai dit que je venais ici. Ils m'ont ouvertement dit qu'ils ne viendront pas. Ah. Pourquoi? Et quelle est leur raison? Il n'y avait aucune raison particulière, mais ils ont juste dit que les gens ne sont pas censés fêter quand le royaume tout entier est en deuil. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais aussi, Ozibo. Je comprends bien leur position. Tu sais, notre cher Ozo, son corps est toujours là. Il n'a pas encore été enterré. Donc, si j'ai appelé mes frères aînés de venir célébrer et s'amuser avec moi, j'ai fait mal? C'est ce que tu dis? Est-ce que j'ai appelé tout le royaume? Ça paraît tellement suspect que tu n'es pas en train de pleurer ton prédécesseur. Ichiebe, tu es un dangereux suspect. En fait, tu es le suspect numéro un. Je commence par te suspecter. Tu es avec eux. C'est pourquoi tu fais sortir ces bêtises de ta bouche. De n'importe quoi. Dans ces cas, je pense que je devrais m'en aller. Il faut partir. Allez, vas-y. Oh, merci, Beka. C'est bon, la nourriture est prête. Si la nourriture est prête, apporte-moi ça. Il est sur le point de partir. Vas-y. Vas-y, mais continue ton chemin. As-tu préparé de la viande ou du poisson? C'est ça. Il n'y a pas de problème. Serre-moi, je vais manger. Il n'y a aucun poisson. Il n'y a rien. Arrête ça. Va chez toi. Arrête ça. Il n'y a aucun poisson. Continue ton chemin. Ah, arrête ça. Allons nous quérir pour la bouffe, vraiment. Ichiebe, ne te vends pas moins cher. J'arrive, Naï. Ibiche, Yaburé Koudje, la chalou. Et vous, Gouli Gouguia. De quel Baka parles-tu au juste? Agmatia. Oh, yes. Don't you think the priestess is... I like that, Dedio. I like that girl. J'ai déjà pris ma décision. Oh, ouais. Ne trouves-tu pas la prêtresse belle? Je l'aime, oh. Je l'aime bien. Moi, je l'aime. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas mal, mais... Non, mais regardez-moi cette beauté. Oh, mon Dieu. Idioma, tu ne devrais pas venir si loin pour me chercher. C'est la meilleure chose que je peux faire à ce moment. Sinon, je n'allais pas vraiment te voir. Peut-être pour toujours. Mon père m'a interdit de te voir. En plus, il a mis des gardes devant ma case pour que je ne sorte pas. Ils me poursuivent partout pour connaître où je pars. Hein? Ça commence même à m'énerver. Pourquoi ton père me déteste jusqu'à ce point? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Okadike, s'il te plaît, je vais te demander d'avoir un peu patience, s'il te plaît. Je t'en supplie. Écoute. Ton père me déteste. Il a rejeté toute la proposition de mariage que j'ai offerte. Qu'y a-t-il? Hein? Il ne répond même pas à mes salutations. Okadike, je suis en train de te supplier. Peux-tu un peu avoir patience? Patience, c'est ce que tu as toujours dit. Ouais, c'est ce que tu as toujours dit. Et les choses vont de mal en pire. J'ai toujours l'espoir qu'un jour mon père va changer son avis. Et nous allons bien être ensemble. S'il te plaît, je t'en supplie. Il va le réaliser un jour, qu'il ne vient même pas. Hein? Pourquoi dis-tu, s'il te plaît? Vraiment? S'il te plaît. S'il te plaît. Sois un peu patient, ok? Écoute, je suis en train de perdre l'espoir. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais encore attendre. Je suis en train de perdre l'espoir. Hein? Je t'en prie. Ok. S'il te plaît. Ijoma! Ah, Iruka. Where are you going to? You look worried. Iruka, I am confused. Ijoma,
Ah, Iruka, où vas-tu comme ça, avec un air troublé? Iruka, je suis confuse. Je viens bien de sortir de mon hutte pour prendre un peu d'air. Tu sais que mon père m'a interdit de voir Dike. J'ai vraiment très peur, je suis aussi confuse. Mais ça va aller, tout ira bien. Dike fait de son mieux pour toi. Ce jeune homme a souffert attendant que ton père change d'avis. Regarde ce qui se passe. Il risque d'aller épouser une autre personne. Tu sais que c'est toutes les servantes de ce royaume qui rêvent de lui. Toi aussi incluse? Non. Iruka, as-tu perdu tes sens ou quoi? Non. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais je sais ce que je t'ai dit. Je ne suis qu'en train de te dire la vérité. Ton père ne va pas accepter Dike et... Et quoi? Si tu oses encore le dire, je te dis la vérité. Je vais perdre ma tête sur toi, je te jure. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais il n'y a rien qui ne va pas avec moi. Je ne suis contente de t'étaler la vérité. Puisque ton père ne veut pas que tu te maries avec Dike, pourquoi tu n'épouses pas Owoma, les grands commerçants? Iruka, je pense que tu étais une amie pour moi. Je ne suis pas ton ennemie. Tu sais combien j'ai chéri notre amitié. Hein? Je ne dois pas te cacher certaines évidences. Dike est mon amour. Dike est... que Dike est ton pain. Oui, dis-le. Hein? Ok. Zugo, tout ira bien. Je suis vraiment confuse, je te dis, ma chérie. Okadike is about to make the greatest mistake of his life if care is not taken. How do you mean? If he fails to... Okadike, tu ne me comprends pas du tout. Okadike est sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie s'il ne s'y prend pas bien. Que veux-tu dire? S'il n'épouse pas la prêtresse Adora, il le regrettera toute sa vie. Comment? Mais demandes-tu comment? Ne peux-tu pas voir que la prêtresse est élégante et exceptionnellement belle? Une femme aussi influente. Et si dit qu'elle l'épouse, dis-moi, qui sera plus grand que ce couple dans ce royaume? Ibekwe, à quel que tu parles comme ça? Regarde, le mariage est basé sur le vrai amour et non sur l'influence. Regarde-toi. Nous parlons de l'influence. Nous parlons de l'argent. Nous parlons de l'élégance. Et toi, tu me parles de l'amour. C'est quoi l'amour? Sais-tu de quoi tu parles? Ibekwe, dis qu'il n'a pas besoin d'argent. Et encore moins de l'influence. Après tout, le plus grand guerrier de ce royaume est déjà fiancé. Pourquoi parles-tu ainsi? Ça montre combien tu es de bas esprit. Juste écoute-toi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a du mal à être appelé l'homme le plus riche de ce royaume? Ne sais-tu pas que quand tu fais l'argent, tu auras envie de faire encore plus d'argent et plus? Hein? Okadike a fait l'argent. Y a-t-il de mal s'il devenait l'homme le plus riche de ce royaume? Hein? C'est ce que tu penses. Étant un bon ami, je lui demanderai d'oublier Ijoma. Surtout que son père ne veut pas qu'il l'épouse. Hein? Tu vois, après la mort de Ifunani, ce que Dike aurait fait était d'épouser la prêtresse Adora immédiatement. Tu en es certain? Oui! Dike is trying my patience. Dike is trying my patience. My priestess, easy. Please take it easy. I believe him. Dike me fait perdre patience. Dike fait perdre ma patience. Ma princesse, calmez-vous. Ayez vos apaisements. Je suis sûre qu'il finira par reprendre ses sens. Notre prêtresse. Je veux vous conseiller de le laisser. Laissez-le partir. Toutefois, il n'est pas le seul homme sous la terre. Juste arrête. Sais-tu ce que signifie tomber amoureuse? Mais quand l'amour n'est pas réciproque, tant mieux laisser. L'amour, c'est la patience.
dit qu'elle n'a pas d'autre option. J'aurais appris que Ozo Isibu a un autre prétendant pour sa fille. Et si Ijoma refuse d'épouser l'homme en question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh. Ijoma. Ijoma. Essaye de m'affronter. Elle ose se mettre sur la même table que moi. C'est simple. Mortel. Ma prêtresse, je crois que vous avez été trop large avec ces problèmes. N'est-ce pas que c'est vous l'œil des dieux? N'est-ce pas que c'est vous le mal qui vient ravir le sourire des gens? Vous ôtez la vie des gens pendant que tout leur semble rose. Vous êtes la prêtresse de la déesse de la guerre. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais exactement qui je suis. Je ne produis pas le froid et le chaud au même moment. Si ce n'est pas le froid, ce n'est pas nécessairement le chaud. Mais si je produis le chaud, aucun homme, je répète, aucun homme issu d'une femme peut me résister. Et même pas une femme. Hey, où est-ce? On est quand même. Ah! Oso! Hey! Qui je vois là? On est quand même. Ah! Oso! Salutations! Tu es le bienvenu, Ezubuego. Tu es le bienvenu. Je suis très content de te voir. Ogo Buchielo. Ogo Buchielo. Tu es le bienvenu. Merci, merci. Ozo. Hein? Bien, je suis venu ici avec ce petit présent pour toi. Comme j'avais eu le tien avant. Hein? Oui. Una no kwano. Aka kwalu no binwo. Hein? Hey! Bien, qu'est-ce que je vois là? Mon bout est beau. Ah. C'est bête. Mais comme que dit, tu appelles? Petit cadeau? Hey! Mama Ijoma, où se trouve ma femme? Hey, viens voir pour moi. Est-ce que tu vois ça? Salutations, Mazuoma. Salutations. J'espère juste que ça... Mazuoma est venu avec tout ça. C'est vrai ça? Et il dit que d'autres viendront encore. Ce n'est pas juste dans 3 semaines, il était ici avec des cadeaux. Oui. Tout ce que vous voudrez, mes chers. Merci. N'est rien, n'est rien. Où se trouve ta fille? Va appeler ta fille, Hey! Ijoma! Tu es toujours le bienvenu chez moi. C'est toi le meilleur, tu sais, non? Que viens bien, Bigon. Je ne sais même pas. Hey! Nekwa na nyano. Ho! Ho! Akubo. Mwalichamuamu. Mwalichamuamu. Mes salutations, Mazi. Salutations, Adanaya. Allez, approche-le. Va t'asseoir sur ses jambes. Va t'asseoir sur lui. Mais va t'asseoir sur lui. Je te parle, tu me regardes. Viens là. Tu ne m'écoutes pas ou quoi? On te dit de t'asseoir sur ses jambes. Tu me regardes comme une bête. Assieds-toi là-bas. Assieds-toi là-bas. Et sois confortable. Vous les enfants d'aujourd'hui, vous ne savez même pas ce qui est bon pour vous. Vous ne le savez pas. Maintenant, tu peux partir. Hein? C'est pour toi, ma chère. C'est pour tu toi. Ne peux pas répondre? C'est bon, hein? Ne sois pas avec elle. Tu peux partir, d'accord? Merci, hey! Qu'elle laisse maintenant les hommes discuter.
Father. Greetings, Oma. Ijoma. Oma is about to leave. So go and see him off. Father, no, don't want to. Papa. Salut, Nai. Salut, mes filles. Ijoma. Oma est en train de partir. Donc, va l'accompagner. Papa, je n'ai pas encore fini ce que je fais, non? Lève-toi de là et va l'accompagner. Dépêche-toi. Oh, qu'est-ce qui se passe, Nai? Assam. Adamo. Aha. Avance. Adamo. Mazo Oma. Oui, ma chère. Pourquoi m'appelles-tu par ce nom? Je suis Adézi Bopa Oma. Oh. Arrête ça. Je t'aime et tu es à moi. Tu es ma Oma. Tu comprends ça? C'est bon. Mon père a insisté que je vienne te voir avant que tu ne partes. Je l'ai déjà fait. Je peux partir maintenant? Non, non, non. Attends. Bien au contraire. Tu dois attendre. Nous avons quelque chose à dire. Je t'écoute. Bien. Ça concerne la dot que je suis censé verser pour me marier. Se marier à qui? Avec toi, bien sûr. Ah, tu sais, c'est une union et c'est une obligation. Mazouma. Oui, chérie. Je peux te poser une question? Vas-y. Quel âge a ta fille? Eh bien, vous pouvez avoir le même âge, mais elle peut être plus âgée que toi. Tu as une fille qui est plus âgée que moi et tu veux m'épouser? Que vas-tu ressentir si ta fille-là cherche à épouser un homme qui a le même âge que toi? Que vas-tu ressentir? Mais écoute, ça pourrait être un choix. Un peu comme... attends, écoute ta chère. Je suis vraiment riche. Je suis un riche commerçant et fortuné. Et sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui m'appartient t'appartient aussi. Mazewoma, oui. S'il te plaît, j'ai un jeune homme qui cherche à m'épouser et je l'aime tant. S'il te plaît, dis à mon père que tu n'es plus intéressé. Je ne vais pas changer d'avis. Ok? Et par les dieux, si jamais je ne saisissais cet homme, je le tuerais à n'importe quelle occasion. Ce mariage n'aura pas lieu. Ça ne marchera pas. Ça a déjà marché. Ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Si je ne t'épouse pas, personne d'autre ne le fera. Défie-moi. Défie-moi pour voir si tu vivras pour le dire à qui ce soit. Allons-y. La prêtresse de notre terre. Bienvenue chez moi. Tu n'as pas répondu à ma proposition. Bien, je suis désolé, votre respect, ma prêtresse, je ne t'épouserai pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je ne veux pas que tu regrettes les conséquences de cette décision. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas compris. Tu ne vas pas comprendre. Quand le temps viendra, tu vas regretter de cette décision. J'essuie les yeux des dieux, l'invincible prêtresse des dieux de la guerre. On verra bien.
la prêtresse des dieux de la guerre, prononcée par le dieu irréversible de la terre de Omodike, investie par le pouvoir de ténèbres, la mystérieuse prêtresse, j'ordonne que ce royaume soit brisé par la maladie, la mort, les gémissements, la distraction et le deuil, jusqu'à ce que Dike change d'avis et me pousse. Il n'y aura pas de remède pour qui que ce soit. J'ordonne la mort. La mort. La mort. La misère. La misère. Le pleur. Greetings, Azamwa. Greetings, warriors of our land. Greetings, Azamwa. I hope all is well. All is not well, Azamwa. You know it. Salut, Azamwa. Salutations, les guerriers de notre village. Salut, Azamwa. J'espère que tout va bien. Tout ne va pas bien, Azamwa. Et tu le sais. Je suis venu pour savoir. Je suis là pour découvrir ce que disent les dieux par rapport aux événements. Aux calamités qui arrivent à cette terre. Les dieux demeurent silencieux. Ils ne m'ont encore rien dit du tout. Non. Silencieux. Silencieux, tu as dit? Non, aisément. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Hein? Nos gens meurent. Des cadavres jonchent les chemins partout dans cette communauté. Tu dois te promener un peu dans le village pour découvrir les choses toi-même. Dike, dois-je me promener dans les coins de ce village comme un homme ordinaire pour voir les choses de moi-même?
Je les vois partir d'ici. Je vois la maladie, la calamité partout. La terre est en danger. Je peux voir combien nous sommes en train de risquer. Dis que j'ai essayé de consulter le Dieu. J'ai essayé de trouver une solution à ces problèmes. Mais le Dieu demeure silencieux. Je pense que la solution à ces problèmes se trouve auprès de la déesse de la guerre. Elle doit être consultée pour plus de clarté. La déesse de la guerre? Tu veux dire la prêtresse Adora? Oui, prêtresse Adora. Vous devez la consulter immédiatement. Ce genre de choses. Dirons-nous que les dieux sont endormis? Hein? Mais qu'avons-nous fait pour causer la colère des dieux? Quoi? Marmo. Okomo. Okadike. Les grands guerriers de notre terre. Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Pour mériter cette calamité qui détruit notre terre. Okadike, juste regarde-nous. Regarde comment on s'écrase comme des singes. En plus, les gens sont en train de mourir de partout. S'il vous plaît, les femmes de notre terre. Hein? S'il vous plaît, écoutez, nous sommes en train de gérer la situation. Ok? Ouais, nous nous en occupons. Hey, vas-y doucement. Désolé. S'il vous plaît, écoutez, nous allons contrôler cette situation. Nous ferons tout pour la stopper, ok? S'il vous plaît. D'accord? Quelle solution? Hein? Quand est-ce que cette solution nous parviendra? Hein? L'autre va tous mourir.
Nous partons chez Os. Il doit trouver une solution. Il doit nous trouver une solution aujourd'hui même. Allons-y. Allons-y. Pardon. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Allons voir la prêtresse immédiatement. Il a une malédiction sur la terre. Nos gens meurent. C'est une tragédie. Mais que se passe-t-il? Est-ce que les dieux sont fâchés contre nous? Quel que soit le cas, nous devons le savoir. Mais pour le moment, nous devons aller chez Osezibo. Et de là, nous procéderons chez la prêtresse Adora. Pourquoi? Mais Ezemo a dit. Ezemo n'a rien dit. Écoute, Ibekwe. Le dirigeant de cette terre doit aller avec nous chez la prêtresse Adora pour la consultation. D'accord. Quelque chose qu'on doit faire, faisons-le vite. Ijoma! Get out of a people, come out! Prestige of our land. Ijoma! Ijoma! La fille d'Ezebo sort! Prêtresse de notre terre. J'espère que tu vas bien. Mais attention, ma prêtresse. Qu'est-ce que les dieux désirent de moi? Prêtresse. Les dieux t'ont choisi pour aller à la forêt au Biogu, dans la terre des esprits, pour sauver la nôtre. Elle est celle qui est choisie pour apaiser les dieux, pour tempérer la justice et la miséricorde, afin de stopper la calamité qui détruit cette terre. Sinon, la ruine envahira cette terre, particulièrement ta famille. Je ne comprends pas ça. Prêtresse, je ne comprends pas. Comment les dieux peuvent choisir ma fille d'aller dans la forêt maléfique pour sauver quoi que ce soit? Comment les dieux peuvent la choisir? Es-tu en train de questionner les dieux? Je ne remets pas en question les dieux, mais je te pose une question. Toi, la prêtresse, toi qui es l'œil des dieux. Prêtresse, s'il vous plaît, je vous en supplie. S'il vous plaît, pitié. S'il vous plaît. Désolé, tu as 7 jours. Je répète, il te reste 7 jours. Pour toi d'aller dans la terre des esprits, enfin d'ôter la cause qui ronge cette terre. Prépare-toi pour accomplir cette tâche. Offre-toi aux dieux. Non, je ne peux pas comprendre ça. Comment peut-on dire que ça doit être ma fille? Ma fille, celle qui n'a aucune expérience, qui n'en sait rien des esprits. Comment elle pourrait être celle que les dieux vont choisir d'aller dans la forêt maléfique? S'il te plaît, le dieu connaît tout.
Ils sont plus sages que les hommes. Même dans ça? Papa, personne ne peut les questionner. Laisse-moi aller voir le leader de femmes. Je reviens bientôt. Ah, les dieux de nos ancêtres. Pourquoi? Pourquoi c'est ma fille? Ma petite fille. Pourquoi c'est ma fille que vous avez choisie? Je vous salue, leader des femmes. Salutations, ma fille. Peu importe ce qu'un mortel cherche, cela doit être très important pour lui. L'hibou ne se promène pas en plein jour pour rien. Si seulement il le fait, c'est qu'il y a quelque chose. Tu dis vrai, ma fille. Alors, qui est l'hibou? Et c'est quoi cette chose? C'est moi, l'hibou. Et la malédiction dans cette terre doit être brisée. Ma chère, la prêtresse avait dit que quelqu'un devait se rendre à la terre des esprits pour réverser le sort. Et personne n'est capable d'aller si loin jusqu'à la terre des esprits pour se battre contre le sort maléfique de cette communauté. La prêtresse m'avait personnellement dit que même Ezeou ne peut rien faire contre les dieux. Bien, la prêtresse nous a aussi dit ça. Elle vient à peine de quitter l'île de mon père maintenant. La prêtresse? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que les dieux ont finalement intervenu pour sauver cette terre dans cette malédiction en pointant une femme. Une femme? Oui. Et alors, qui est cette femme? Celle qui est devant toi. Hein? Mais qu'est-ce que tu essaies de raconter? Hein? C'est bien moi. C'est moi qu'on a choisi. La prêtresse l'a elle-même dit. La prêtresse? Aïe. Ichiebe. Ozo. Obinelewam. Je ne sais pas pourquoi les dieux ont décidé de choisir ma fille pour une affaire aussi délicate. Je ne sais pas. Ozo. Ezibo. Ichie. Je sais ce que tu ressens. Mais tu dois aussi comprendre que les paroles des dieux ne sont pas les nôtres. Que ta fille soit choisie par les dieux et noble à sa manière. Noblesse ou pas noblesse, je soupçonne un piège. Comment ça? Oui. Je crois que la prêtresse a un objectif caché. Ozoé et Zibo, s'il te plaît, cette demoiselle est l'œil des dieux dans ce royaume. Mais c'est ce que je ressens. Mon intuition ne me trompe pas. C'est ce que je ressens. S'il te plaît, maîtrise-toi. Elle risque de t'entendre. Tu sais qu'elle a de très longues oreilles. Et tu penses que je m'en soucie? Oh, tu penses que je m'en soucie? Qui s'en soucie? S'il te plaît, maîtrise-toi. Les dieux ne peuvent pas avoir tort. En passant, où est ta fille, idiome? Elle est allée voir la responsable des femmes. Peux-tu imaginer? S'il te plaît, apaise-toi, mon frère. Obiaboam. Ma fille,
Le voyage pour la Terre des Esprits est très difficile, surtout pour une femme comme toi de revenir. Mais le Dieu connaisse le meilleur. Et je foi en leur jugement. Ma chère fille, quand le Dieu choisit une personne, il ne la laisse pas, ils vont l'aider. Hein? Voilà pourquoi je t'ai venu te voir. Et ton père, comment est-ce qu'il le prend? Mon père ne l'a pas accepté. Il a même fait un challenge à la prêtresse. Oui, que le Dieu ait pitié. Leader des femmes, ma fille. Alors, comme les dieux m'ont choisi, je suis prête pour partir. Je dois arrêter cette malédiction. Mais je ne suis qu'un novice dans ce que les dieux disent. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Leader des femmes, aide-moi. D'accord. Tu reviendras ici après 3 jours ouvrables, ok? Je te fortifierai. Mais avant cela, j'ai quelque chose pour toi. Why is the priestess doing this to me? What exactly have I done to deserve this type of cruelty from her? Pourquoi la prêtresse me fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait exactement pour mériter une telle cruauté de sa part? Même si j'ai offensé les dieux, certainement ça ne serait pas les dieux de la guerre que j'ai offensé. Mon esprit continue de me dire qu'il y a un piège dans ceci. Pourrait-il que la main du défunt Ozokonko soit impliquée dans ceci? Non, il est très aveugle pour connaître le chemin des dieux de la vengeance. Ma fille va au pays des esprits. C'est impossible. C'est impossible. Mon amour. C'est impossible. Tu ne vas aller nulle part. Mon amour, est-ce que tu peux te calmer, je t'en prie. Assez. Tu n'iras pas. Toi, aller dans le monde des esprits pour renverser une quelconque malédiction? Non. Tu ne feras pas ça. C'est pas fait pour des gens comme toi. Tu ne le feras pas. Ouais. Je vois. J'étais allé chez la prêtresse Adora 3 fois et je ne l'ai pas vue. Ok, elle est en train de m'éviter. Peut-être, je perçois une manigance quelque part. Si ce sont les dieux qui l'ont décrété, je pense que personne ne peut rien faire à propos. Les dieux ne peuvent pas décréter quelque chose d'étrange comme ça. Ce n'est pas possible. Je connais les dieux que je sers. C'est exactement ce que mon père aussi avait dit. Mais qui sommes-nous pour s'opposer à la volonté des dieux sur cette terre? On ne peut pas. Ijoma, va à la maison. Va à la maison et attends mes ordres. Je dois voir le leader de femmes aujourd'hui. Je m'avais dit de passer pour la fortification. Qu'est-ce que tu me dis encore? Tu ne feras pas chose pareille. Tu ne feras pas chose pareille. Écoute-moi, Ijoma. Va à la maison et attends mes ordres. Ne va nulle part. Tu m'as entendu? Ibekwe. Dike. Ojadike. Dike. Accompagnez-la dans la maison de son père et assurez-vous qu'elle ne quitte pas sa case. Dike. Je reviendrai dans quelques jours. Partez. Qu'est-ce que tu fais? Allez-y, ok, allons-y. Partez. Dike. Avance.
prince. Pas à moi. Salut. Aisez-moi. It is the great warrior who brought you out of your house this afternoon. Why are you supposed to be preparing for the war? Aisez-moi. Salut les grands guerriers. Qu'est-ce qui t'a fait sortir de chez toi ce matin? Tu étais censé te préparer pour la guerre. Aisez-moi. Quand la demeure de l'homme devient trop chaude pour lui, il commencera par chercher un endroit plus froid pour reposer sa tête. Quand le serpent monte sur le toit, c'est de la folie pour l'homme de toujours rester sous ce toit sans rien faire. Il fait quand te batanon nunte, c'est que le criquet a reçu une visite qui lui est désagréable. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi les dieux sont silencieux quand la calamité s'abat sur notre communauté. Donc, Adike, la parole des dieux est différente de celle des hommes. Aisez-moi, es-tu au courant que la prêtresse Adora a trouvé une solution à la calamité qui s'est emparée de la communauté? Vraiment? Et c'est quoi la solution? Elle a dit qu'Ijoma, la fille de Ozo Ezigbo, voyagerait dans le monde des esprits dans le but de renverser dont souffre cette communauté. Et ça, je l'ai trouvé très très inconfortable. Et c'est moi. Je ne suis pas d'accord. Okadike, si la prêtresse, qui est les yeux de Dieu, dit qu'elle a trouvé une solution, alors nous devons suivre ce qu'elle dit. Aisez-moi. La prêtresse peut être l'œil des dieux, mais toi, tu es la bouche des dieux. Écoute, tu ne peux pas nous laisser nous vautrer dans le noir. Tu dois avoir quelque chose à dire, s'il te plaît. Okadike, rentre chez toi. Laisse-moi rendre l'eau propre pour qu'on voit ce qui est à l'intérieur. S'il te plaît, aisez-moi. S'il te plaît. Je t'en prie, s'il te plaît. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Écoute, tu es la bouche des dieux. Et je crois vraiment à ton jugement. Je sais que tu as quelque chose à dire. S'il te plaît, peux-tu toi-même consulter les dieux pour savoir ce qu'ils disent de cette calamité? S'il te plaît. Okadike, tu sais que Umudike doit une chèvre aux dieux. Et pour ça, les dieux sont devenus aveugles pour le problème. Ok, pas de problème. Dès que je quitte ici, je vais t'envoyer deux chèvres. Ouais, pour apaiser les dieux afin qu'ils disent quelque chose au sujet de cette calamité. Odogu! Okadike Odogu! Bimbana Onguya! Lève-toi. Lève-toi. J'ai toujours su que tu as le cœur de ton père, le grand guerrier de notre royaume. Ne t'inquiète pas, je vais consulter les dieux pour toi. Quoi? Dike, la malédiction dans le royaume d'Umudike ne provient pas des dieux. Je ne comprends pas. Que fait-elle ici? Elle? C'est qui ça, Ezemo? La prêtresse de la guerre elle-même. Elle a soudainement apparu ici. Okadike, la malédiction derrière le royaume d'Umudike ne provient pas des dieux. Je peux voir un complot. Je peux voir la main du singe dans la soupe. La main du singe est dans la soupe. Et elle doit être retirée avant qu'il ne devienne le tour d'un homme. Adewepu akenwe n'ofe tupu oroso mmadu
raconte? Ezemo, s'il te plaît, qu'est-ce que nous allons faire? Ces sorts viennent de la prêtresse du mal des Zélus. Quoi? La prêtresse? Prêtresse? Il y a un complot. Complot. Conspiration. Conspiration. Comment est-ce que quelqu'un peut aller dans le monde des esprits et revenir vivant? Qui est même qualifié pour faire ça? Quelque chose cloche quelque part. Définitivement, ce n'est pas Idioma. Idioma n'est qu'une enfant, elle ne connaît rien. Non. Ouais, Idioma. Salut, Okadike. Idioma est dans la maison de son père. Et qu'est-ce que tu fais ici? Bien, je suis venu te donner un message de la part de Osezibo. Quel est le message? Il ne me l'a pas dévoilé. Ibeko, je t'ai donné une instruction sur ce qu'il faut faire. Désolé, Ojadike s'occupe de la responsabilité que tu nous avais donnée. Et je suis venu juste te transmettre le message et je vais rentrer. Message transmis, Ibekwe. Retourne à ce que je t'ai dit de faire et ne quitte plus jamais là-bas. Okadike, tu veux dire qu'il y a une conspiration dans tout ce qui se passe? Ouais. La terre de Omudike n'est plus en sécurité. Je perçois un complot. Salut. Notre feu leader, Ozone Konko, n'est pas mort naturellement. Quelque chose cloche quelque part. Je crois que je suis d'accord avec toi. Parce que je me rappelle t'avoir entendu dire un truc de ce genre avant. Mais laisse-moi te dire ceci. Il faudra que tu sois très prudent avec Ozo et Zigbo. Son humeur à ton sujet parle d'une autre histoire. Je le sais. Ouais, je le sais. Je le sais, je le sais. J'ai compris. On me dit que la terre de mes aïeux. Hey! Que le Dieu soit loué. Okadike dit vrai. Je le disais, je n'ai jamais cru au message de la prêtresse. Mais né, pourquoi est-ce que la prêtresse veut seulement que moi j'aille là-bas? Si les dieux ne l'ont pas dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu sais? Né, si c'est alors vrai, je vais perdre mes chances de vivre. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Né, je pose une très bonne question. Le leader des femmes m'a demandé de passer pour la fortification. Dit qu'elle m'a interdit de partir. Et toi aussi tu l'acceptes. Mais pourquoi? Nem.
remercie le Dieu parce que tu as un homme comme Dike qui lit à travers les lignes. Et vous, prêtresse, prêtresse, je ne vais plus croire en cette femme. Plus jamais. Je suis confuse. Ne le sois pas. La vérité a déjà éclaté. Hey, prêtresse. Pourquoi tu veux tuer ma fille? Onzo, j'ai pas compris ce que tu es en train de dire. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Tu comprendras bientôt. Garde! Garde! Tu me dis que tu ne sais pas de quoi je parle, non. Tu vas comprendre. Donc, Ozo, tu as appelé tes gardes pour m'attaquer? Tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu. Comme je ne veux pas que tu épouses ma fille, tu as comploté avec la prêtresse pour prendre la vie de ma fille dans le pays des esprits. Ozo, je suis désolé. Avec tout respect, je ne peux pas attendre ici. Parce que ce que tu dis n'est pas vrai. Désolé. Ok, ok, ok. Ce que tu dis est que je dis des bêtises. C'est ce que tu dis? Garde, attaque-le. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Tu veux m'attaquer? Tu veux attaquer ton futur roi? Hein? Ton futur roi. Ok, vas-y, attaque-moi. Vas-y, attaque-moi. 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 Toi, tu es un imbécile. Ozo. Tais-toi. Avec ta forme là, tu n'as rien dans tes os. Ta forme n'est que futilité. Regarde-moi ça. Tu n'es rien d'autre qu'une légume fanée. Avec toute ta forme là, tu ne peux pas le battre. Ozo, je pense qu'il a des pouvoirs. Que ce pouvoir te tue là-bas. Tu n'es pas honte de ce que tu dis. Tu n'es pas honte de ce que tu dis. Tu me parles de pouvoir. Idiot. Imbécile. Laissez-moi. Quoi? C'est quoi son problème? Je n'en sais rien. Sommes-nous responsables de ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que j'en sais? Où est cette fille? Où est cette fille? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle se trouve? Ijoma! 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 As-tu vu l'homme que tu veux épouser? As-tu vu le bon à rien de garçon que tu veux épouser? Un homme qui veut me tuer avec son épée. Un homme qui veut me tuer avec son épée. C'est l'homme que tu veux épouser. Naï, c'est pas ce à quoi tu penses. Non, qu'est-ce que tu veux que je pense? Qu'est-ce que tu veux que je pense? Et tu me dis que c'est pas ce que je pense. Ce garçon voulait me tuer. Il voulait me tuer avec son épée. Juste parce que je lui ai dit la vérité face à face. Qu'il a planifié avec la prêtresse pour tuer ma fille. Et voilà, il voulait me tuer. Papa, d'où est-ce que ça provient? Dis qu'il ne peut pas faire ça, papa. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Oh, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Si tu dis encore un mot ou quelque chose concernant ou défendre Dike ou quoi que ce soit, je te jure, tu verras ce que je vais te faire. Bêtise. Naï, c'est pas du tout ce que tu crois. Arrête de dire ça. Dike a personnellement demandé à Ijoma de ne pas se rendre à la terre des esprits. Elle est présente, démontre-lui. Une histoire a dormi debout. Une histoire a dormi debout. Devant qui vous racontez cela? Devant qui, dites-moi? Je suis un imbécile pour vous, n'est-ce pas? Papa, s'il te plaît. Papa, c'est la vérité. Ah! Dis qu'il ne veut pas que je parte à ce voyage. Je devais aller voir le leader des femmes aujourd'hui pour la fornification, mais il dit qu'il a refusé que je parte, papa. Papa, s'il te plaît. Papa, pourquoi tu détestes Dike comme ça, papa? Pourquoi? Ne me provoque pas. Tu comprends ce que je dis? Donc après tous mes avertissements, tu t'agenouilles devant moi pour me raconter des bêtises? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Isatma? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non. Papa! Laisse-moi t'attraper. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me dis pas là? C'est pas en s'équirelant qu'on résout le problème. Bêtise! Je me bats pour ta vie, tu me racontes des conneries. As-tu perdu la tête?
On dirait que ta tête ne fonctionne pas. Je ne comprends plus cette maison. Tu me demandes ça? Tu es vraiment stupide. Tu es celui qui soutient ce mal. Tu es celui qui soutient ce mal. Ado Gissine ici, tu n'es rien d'autre qu'une mauvaise mère. Iba Johnny. Moi. Oui, c'est ce que tu es. Toi, écoute-moi. Je t'avertis chaque jour, mais tu refuses toujours de m'écouter. Tout ce que je te dis, tu ne m'écoutes pas, non. Parce que tu es têtu. Ce qui est sûr, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi dans cette île, il n'y a que des problèmes? J'en peux plus. Idioma. Complot. Conspiration. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh. Oh, c'est si beau. Salut, Okadike. Salut, Okadike. Tu as l'air inquiet. Emporte deux chèvres à Ezemo. Il en a besoin pour un sacrifice. Je le fais immédiatement. Okadike, beaucoup de gens meurent jour après jour. Sophia et ses enfants sont morts ce matin. Et hier la nuit, plus de 10 personnes ont perdu la vie. Des cadavres partout. Dans des fermes. Auprès des rivières. Beaucoup de... C'est assez! Ça va. Arrête de me parler. La situation difficile de mon peuple. Arrête s'il te plaît. Omodike! La terre de mes aïeux. Pourquoi? 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 Ozo Ezebo, what I don't understand is why your daughter has not heed to the instruction of the priestess and go to the land of the... Ozo Ezebo, ce que je ne comprends pas est pourquoi ta fille n'a pas respecté les instructions de la prêtresse et aller dans la terre des esprits. Attends-tu que nous mourions tous avant que tu comprennes la quintessence de ce problème? Ichiebe. Ichiebe. C'est ça mon nom. Surveille ton langage. Je ne ferai pas attention à mes mots. Je dirai les choses telles qu'elles voilà sont. Voilà ton problème. Tu parles n'importe comment. Des paroles ni queue ni tête. Continue de parler. Tu peux parler maintenant. Jusqu'à la semaine prochaine. Ça ne va pas me secouer. Ça ne me secouera jamais. Oui. Personne ne me poussera à envoyer ma fille à sa mort. Jamais personne ne me poussera à le faire. Personne ne peut pas le faire. Jusqu'à ce que je suis sûr de faire ça. Je ne comprends pas tellement ton point de vue. Comment peux-tu dire une telle chose? Comment peux-tu ouvrir ta bouche, un leader que tu es, et prononcer de telles phrases? Beaucoup de gens meurent chaque jour dans ce royaume et tu ne veux pas faire le nécessaire. Pourquoi? Ichiebe. Ichiebe, tu as dépassé la durée de ton accueil. Maintenant, tu peux partir. Es-tu en quelque sorte en train de me chasser de ton hut? Ichiebe, as-tu perdu la tête? Ici, c'est chez moi et cette maison m'appartient. Mais as-tu oublié ta maison? Ici, ce n'est pas chez toi. Je veux que tu quittes maintenant. Quitte maintenant. Ne me force pas à faire ce que tu n'aimeras pas. Quitte maintenant. Ozo Ezebo, je m'en irai. Mais je ne cesserai de te dire la vérité. Ta fille doit obéir à l'instruction de la prêtresse. C'est cette instruction qui va te tuer. Quitte ma maison. Du quoi, Ezebo? Cette instruction va te tuer.
Je parle et tu me dis quoi au juste? Que quoi? Du quoi? Toutes les personnes qui se complotent contre ma fille, le jour viendra, elles se dévoileront toutes. Du quoi? Vas-y, sors d'ici. Du quoi? Sors d'ici. Que quoi? On te dit quelque chose de sérieux, tu me racontes des bêtises. De n'importe quoi. Parlant n'importe comment. Tu me prends pour qui au juste? Je suis le chef et je décide ce qui est bien pour moi. Et il n'y a que moi qui dis ce que je veux. Moi je te parle, tu cherches à me défier. Tu te prends pour qui même? Donc que je laisse ma fille aller se faire tuer. Ma seule et unique fille, c'est elle que vous voulez sacrifier. Vous allez marcher sur mon cadavre alors. Parce que si Mahomet ne va pas à la montagne viendra à Mahomet. Ça, c'est le deuxième et dernier avertissement. Il y a une malédiction sur cette terre. Il y a une malédiction sur cette terre. Et l'abomination a été commise dans cette terre de Oumoudikié. Le dieu de Mazoa et la déesse de la guerre est en colère contre le peuple de cette terre. Il y aura encore plus de morts, plus de misère. Le peuple va souffrir. La maladie va se répandre davantage jusqu'à ce que la fille de Isebo Idioma va aller dans la terre des esprits pour enlever la malédiction qui détruit cette terre. Et quand elle ira dans la terre des esprits à sa rentrée, elle va devenir la femme la plus puissante de ce royaume. Moi, Adora, la déesse de la guerre, j'ai dit, ainsi cela doit s'accomplir. Je pense qu'il est temps pour nous de remédier à cette malédiction jetée sur notre terre. Permets à ta fille d'aller cette forêt diabolique pour qu'elle retire cette malédiction qui est sur nous. Elle ne fait que répéter ça à tout moment qu'elle vient ici. Pourquoi? S'il te plaît. Encore. Je suis là pour t'avertir. Tes plans sournois contre la volonté de Dieu me sont révélés. Je te prie pour la dernière fois de désister de cette affaire. Sinon quoi? N'ose pas me contredire, Opadike. N'essaie pas. Idioma, la fille de Ozo Izibo est choisie. Personne ne peut l'arrêter. Oh. Écoute, prêtresse, pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Es-tu en train de me demander ou tu demandes aux dieux? Je n'ai rien à faire avec les dieux. C'est à toi que je demande. Moi non plus, je n'ai rien à faire avec toi. Ce sont les dieux que l'on veut. Alors dis aux dieux d'inverser la décision. Ouais. Je veux aller dans le monde des esprits. Je suis un guerrier. Idioma n'a aucune idée de la guerre. Je suis un guerrier. Tu dois sauver mon peuple. Dis-leur de me mettre à sa place. Qui es-tu pour dicter les dieux? Qui es-tu? Aisez-moi. Aisez-moi. La bouche des dieux. Pourquoi ne va-t-il pas dans la même direction que toi? Pourquoi? Si ce que tu dis est vrai, pourquoi ne voit-il pas dans la même direction que toi? Ah!
king, gods of our forefathers. Umudike is a land of peace, a land of war. Le dieu d'Umudike, le dieu de nos ancêtres. Umudike est une terre de paix, une terre de guerriers, une terre avec beaucoup de ressources naturelles. Pourquoi vivons-nous ceci? Nous voulons que la paix rentre dans notre royaume. Nous voulons un bon jugement. Que les méchants soient jugés. Qu'ils soient punis comme jamais auparavant. Pour qu'ils laissent cette terre en paix. Qu'ils dégagent. Of the gods to my abode. It's a bright day that brings out a poisonous snake. Que fait l'œil de Dieu dans mon sanctuaire? C'est un jour luisant qui engendre le poison du serpent. Je ne comprends pas. Qui est le jour luisant, qui est le poison du serpent? Aisément. Prends soin de compter tes pas. Tu es le jour luisant. Et moi, je suis le poison du serpent. Tu cherches ma mort, hein? Tu cherches ma mort, Aisément. Comment oses-tu? Oh! Donc c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui traumatises cette communauté avec la maladie et la mort. Maintenant, laisse-moi te dire, toi, serpent maléfique. Dégage avant que tu ne regrettes ta présence ici.
aucune idée de celle qui est devant toi. Oh! On t'a dit que Hey! Ah, Vini! The priestess exorcist. Hey! Oh, le grand maître. Odogu. Les exagérations de la prêtresse deviennent insupportables. Elle doit être avertie. Ouais. Ezemo doit faire quelque chose à ce sujet. Ouais, il doit faire quelque chose. Il faut qu'on agisse très vite pour sauver la situation de peur qu'elle devienne pire. Et c'est moi qui dois agir très vite. Quelque chose doit être fait à propos. Guerrier, allons-y. Pour sauver celle-ci. Tu es celle qui est choisie pour apaiser les dieux, pour tempérer la justice et miséricorde, enfin d'arrêter la calamité qui détruit cette terre. Sinon, la ruine va envahir cette terre, particulièrement ta famille. Papa? Papa, tu m'as appelé? Oui, ma fille, assieds-toi. D'accord, merci. Tu as entendu ce que la prêtresse a dit? Oui, papa. Tu dois être prête. Prépare-toi. Demain, aux premières heures, tu iras dans le monde des esprits. Les guerriers vont t'accompagner. Les guerriers? Oui. Les guerriers, je les ai informés. Papa, Dike ne m'a rien dit à propos. Dike, va te le dire, ce vagabond qui veut te voir mourir. Papa, Dike n'est pas vagabond. Il ne cherche pas ma mort. Papa, je dois voir le leader des femmes avant d'aller à la terre des esprits. Je dois passer la fornication, papa. Je dois la voir. C'est-à-dire? C'est la pure vérité, Naï. Si ma fille doit se rendre là-bas, alors elle doit être fortifiée. Écoute, je veux que ma fille me revienne. En vie! Idioma, ma fille. Les dieux qui t'ont choisi pour aller délivrer cette communauté sont ceux qui détiennent la vie. Ils sont les détenteurs de la vie. Les dieux qui t'ont choisi d'aller là-bas doivent avoir un moyen de te protéger. Comme la prêtresse l'a dit, que personne d'autre ne peut aller dans ce monde des esprits et rentrer vivant, sauf toi. Tu devrais savoir ça. Papa, peu importe, je dois voir le leader de femmes pour la fornification. Elle m'avait demandé d'aller, oui. Alors, pourquoi tu ne l'as pas vue avant maintenant? Dike m'avait dit de ne pas partir. Quoi? Dike, t'as dit quoi? Dike, t'as dit quoi? Ce
C'est quoi, Naï? Dike. Dike. Donc, c'est ça. Tu es toujours derrière moi, Dike. Dike! Hey! Ezemo! Qu'est-ce qui s'est passé? Ezemo! Ezemo, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui a fait ça? Qui t'a fait ça? Aisez-moi, s'il te plaît. Ouais, je parle. Aisez-moi. Ouais, Dike. Suis... Ouais, c'est moi. Qui t'a fait ça? Hein? Remercions le Dieu, vous êtes là. Ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parle-moi. Parle-moi, s'il te plaît. Parle-moi. La prêtresse de la guerre. Quoi? Dike. Dike. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle est derrière tous les malheurs de notre peuple. La prêtresse de la guerre est le diable en personne. Elle utilise le pouvoir maléfique de la prêtresse Zels. Quoi? Prêtresse Zels? Elle est derrière toutes les calamités. Aisez-moi, aisez-moi, parle! Non, 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 parle, parle! Parle-moi, aisez-moi, aisez-moi, parle! Non! Aisez-moi, parle! Non, 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 non. Aisez-moi. Non! 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 Aisez-moi. Aisez-moi, tu ne peux pas mourir. Non! 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 Prêtresse de la guerre, prêtresse, prêtresse Adora. Il ne devrait pas mourir. Ijoma! 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 Papa! Nai, tu m'as appelé? Oui, je t'ai appelé. Comme? Je te le disais, que ce que un vieux comme moi a vu assis, même si tu grimpes sur le plus haut arbre d'Iroko, tu ne le verras pas. Tu ne le verras jamais. Nai, tu parles en parabole. Oui, je parle en parabole, parce que la situation, la condition l'exige. Je veux que tu saches que ce Dike, ce garçon, te déteste avec passion. Oui. Il n'a jamais voulu que tu sois fortifié. Comme ça, quand tu arriveras dans le monde des esprits, tu mourras là-bas. Ce gars ne veut pas que tu deviennes la plus célèbre femme de cette communauté comme les dieux l'ont décrété. Quel est ce genre de méchanceté? Non, non. Non, papa. Dis qu'il ne peut pas vouloir ma mort. Non, papa. Laisse-moi te dire ceci. Ça ne marchera pas. Ça ne va jamais marcher. Je vais m'assurer que tu sois fortifié. Et tu iras. Et tu reviendras victorieuse. Ouais, moi, Osezibo, j'ai parlé ainsi. Vous me prenez pour qui? Moi, en tant qu'un grand Odogu? J'ai fini de parler avec toi.
Ichebe. Ozo. Tu es le bienvenu, assieds-toi. Non, je préfère te le dire étant debout. Pourquoi? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Heuchim. Tu veux quoi? Heuchim. Que s'est-il passé? Aroué, mais... Mais que s'est-il passé? Un grand baoba est tombé. Lequel des grands Iroko? Lequel des grands Iroko? Heuchim. Ezemo est mort. Quoi? Quoi? Il a été retrouvé mort au sanctuaire. Qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a tué? Personne n'en sait rien. Hein? Odoguana! Hey, Alouéme! Alouéme! Aïe! Hey! Aïe! Obudika Alouéme! Aïe! Anyaji Apuzo! Anyaji Apuzo! Omudike! Hey! Hey! Odoguana! Hey! Alouéjeme! Hey! Ezemo! Ezemo, dis-moi que ce n'est pas vrai! Ezemo, juste comme ça! Hey! La mort, tu es stupide! Tu es bête! Hey! 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 Oh mon Dieu! Et qu'allons-nous faire pour retracer cette malédiction, sage? Il y a le mal dans la terre d'Obed Okadike. La terre d'Obudike sera en ruine si rien ne fait à propos. Et si la mauvaise personne se rend à la terre des esprits, cette personne ne survivra pas. Et il y aura plus de calamités dans la terre d'Obudike. Le mal va planer partout dans la terre d'Omodike. Et il y aura des cadavres par-ci, par-là. Ah, Noma, la sage, s'il te plaît, j'aimerais demander. Cette personne qui doit aller dans le monde des esprits, est-elle un homme ou une femme? Okadike. Le dieu sont silencieux. Je ne sais quoi dire. Tout ce que j'entends, c'est ce que je dis. Rien n'est comparable à la fureur d'une femme dont ses avants sont rejetés par un mortel. C'est ce que j'ai entendu. Ça, je n'ai pas compris. Okadike. Utilise ta langue pour compter tes dents. Tu peux partir au Kadike. Pars! D'accord. Merci, sage. Understand that statement, Ibewe. Ezemo said that to me too. What does it mean? Do you know the meaning? I don't understand. Qu'est-ce que ça veut dire? Connais-tu la signification? Moi non plus, je ne comprends pas. Mais il y a un vieillard qui est juste à côté de la rivière qui peut bien interpréter ces phrases. Es-tu sûr? Oui, Okadike. Okanigwe peut très bien interpréter ces phrases. Okanigwe. Oh! S'il te plaît, amène-moi chez ces Okanigwe. Allons-y. Allons-y. Dit que les silence of the gods are not ordinary. Le silence des dieux n'est pas ordinaire. Le problème est autour de toi. Il y a un complot dans le royaume de ta naissance
ils sont derrière toi et la terre que tu aimes beaucoup. C'est à cause de toi que toutes ces choses arrivent. À cause de moi? Oui. Tu es le centre de l'attention. Bike Oganigui. Elle t'aime tellement au point de tuer pour toi. Mais tu ne l'as jamais su. Elle en a après toi et non le village. Oganigui, s'il te plaît, qui est cette personne? Dit que le fils de Ajadere utilise ta langue pour compter tes dents. Parce que les voix des dieux ne sont pas celles des mortels. Gods of our land, how can things continue like that? Le Dieu de nos ancêtres, pourquoi les choses continuent comme ça? Que puis-je faire pour y mettre fin? Tu es le centre de l'attention. Bike Oganigui. Elle t'aime tellement au point de tuer pour toi. Rien n'est comparable à la fureur d'une femme dont ses avances sont rejetées par un mortel. Je dois faire quelque chose très vite. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Non, les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Je dois faire quelque chose. Je dois apporter la paix dans cette communauté à tout prix. Ouais, c'est ma responsabilité. Guys, leave us. Leave us. Oh, Oma. Hey. What's up? Mes gardes, laissez-nous. Laissez-nous. Oma. Hey. What's up? Oma. Salut. Hey, salutations, Oma. Je suis désolé de... Tu sais, de t'avoir fait attendre. Je suis désolé, tu sais, j'étais occupé avec certaines consultations. Parce que ma fille, ma précieuse fille, doit aller dans le monde des esprits et revenir. Ozo, la raison pour laquelle je suis venu est de te demander si ce voyage est vraiment nécessaire. Hein? Pourquoi est-ce que ma femme serait celle qui devrait aller sur la terre des esprits alors qu'il y a des hommes maléfiques dans ce village? Pourquoi prendre une fille comme elle? Pourquoi? Non, tu as bien parlé en tant qu'un humain. Tu as bien parlé en tant qu'un humain. Mais tu sais, les choses des esprits sont totalement différentes. Hein? Tu sais, les voies des dieux sont différentes.
Nous, nous sommes des mortels et on ne peut pas les mettre en question. Quel dieu, Ozo? Hein? Quel doucement, dieu? Doucement. Je m'en fous. Quel dieu acceptera une telle merde? Que ma femme bien-aimée s'embarque dans un tel dangereux voyage. Je n'aurais jamais deviné. S'il te plaît. S'il te plaît, tu peux dire une autre chose. Mais ne parle pas des dieux comme ça, s'il te plaît, ne le fais pas. Tout ce que je veux que tu fasses maintenant, oublions ceci. Cette discussion, hein? Oublions ça. Juste comprends ceci, je te rassure. Ta femme, ma fille, ira dans le monde des esprits et reviendra sans aucun problème. Les dieux ne vont jamais me décevoir. Ozo, je veux aller avec ma femme, maintenant. Je veux aller avec Ijoma, maintenant. Yo, c'est comme tu ne comprends pas la situation qui prévaut dans ce royaume en ce moment. Ozo, qu'y a-t-il à comprendre là-dedans? Qu'y a-t-il à comprendre? N'ai-je pas essayé, Ozo? N'ai-je pas? Oui, oui, tu as essayé. Je t'ai donné tout ce que tu m'avais demandé. Maintenant, je veux aller avec ma femme. Est-ce trop demandé? S'il te plaît. Biko Kanayo, s'il te plaît. Je veux que tu prennes en compte ce que je dis. Je veux ma femme. J'ai payé beaucoup de choses pour elle et je la veux. J'en ai marre de devoir te considérer. J'ai perdu ma patience. Je sais combien j'ai investi en toi, ainsi qu'en ta famille. Je veux amener ma femme chez moi maintenant. Sinon... Sinon comment? Sinon comment? Sinon, le village aura une histoire à raconter. Je ne mâche pas les mots. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ouoma. Ouoma, calme-toi. C'est arrivé jusque-là. Ozo, c'en est arrivé à tout et à n'importe quoi. Je m'en fous. Ok? Je m'en fous. Maintenant, je souhaite prendre celle pour qui j'ai beaucoup dépensé. Sinon, tu vas le regretter toute ta vie. Pourquoi tu ne veux pas me comprendre? Ozo, avant que le soleil ne se couche, je veux voir Ijoma dans ma hutte. Hey. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Dans quoi je me suis mis? Dans quel pétrin je me suis mis comme ça? Hein? Dois-je désobéir les dieux? Juste à cause de ça. Dois-je désobéir les dieux? Hey! C'est l'argent qui m'a mis dans ce problème. C'est l'argent qui m'a mis dans ce problème. Hein? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Hey! Regardez ce monsieur. Donc c'est comme ça. Quand il s'agit de l'argent, les gens peuvent être méchants. Hein? Donc c'est comme ça que l'argent change les gens. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dites-moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai même pas de l'argent pour le rembourser. Hein? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hein? Hey! Je suis confus, je ne sais plus quoi faire. Hein? Kola, kola. Women leader. Ah, greatest leader of our land. Please. Ijam. Leader des femmes. Leader des femmes. Appelle-la, appelle-la. Leader des femmes. Salutations au leader de notre terre. Je vous en prie, prenez place. Merci. Oh, mets-toi. Oh, Ezeo. On n'a pas besoin de s'asseoir. Restons debout pour discuter de ce sujet. Tu sais, j'ai un dibia vraiment capable. Un dibia très fort. On dit souvent qu'au grand mot, il faut les grands remèdes. Tu comprends? Je sais qu'il est capable de faire tout genre de charme dont j'ai besoin pour ma fille, pour la fortification. Je sais qu'il peut le faire. Mais le problème que j'ai, c'est que ma fille insiste que c'est toi qui dois la fortifier. J'ai tout fait, mais elle dit que c'est toi qui dois la fortifier. J'ai dit, ok, si tu dois être celui qui va fortifier ma fille, alors tout ce dont tu as besoin est de me garantir, de me promettre que rien ne lui arrivera. Et tu peux aller de l'avant et la fortifier. Ozo, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres.
Je ne suis pas l'œil de Dieu. Encore moins la bouche de Dieu. Tu l'écoutes? Je suis juste une guérisseuse. J'utilise ceci pour faire des médicaments très puissants. C'est tout ce que je sais. Tu l'écoutes? Alors je ne saurais pas vous garantir son retour. Magnifique. J'aime les gens qui reconnaissent leurs capacités et ce qu'ils peuvent faire. Idioma, est-ce que tu l'as entendu? Tu as entendu ce qu'elle a dit? Papa, s'il te plaît. Elle te parle de sa capacité, ce qu'elle peut faire. Papa, s'il te plaît, calme-toi. Elle dit qu'elle ne peut pas me donner la garantie dont j'avais besoin. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu lui fais beaucoup de pression. Pression ou pas pression, je suis très très clair et elle a tout compris. Donc, tu veux y aller sans aucune garantie. Hein? Tu penses que tu vas me perdre pour rien? C'est ça? Quittons d'ici. Papa, s'il te plaît. Je dis qu'elle ne va rien te faire. Allons-y. Hein? Papa, regarde-moi s'il te plaît, ça. Qui toi tu veux perdre? Allons-y. Elle dit qu'elle n'a aucune garantie. Tu veux quoi? Ok, si, ok, dis bien. Tu sais, comme je l'ai dit, je continue de le dire. S'il te plaît, la seule chose dont j'avais besoin de toi est de voir ma fille aller dans le monde des esprits et de revenir vivante. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin, s'il te plaît. Awan Kayame Simea, je veux qu'elle aille et revienne saine et sauve. On a un niveau. Quelle Kayame? Ah ah! Je suis Oko Sisi, le grand Dibia. Je sais, je le sais déjà. Je t'ai donné ma parole. Ou soit, t'ai-je déjà une seule fois déçu? Tu ne m'as jamais déçu, non. Tu ne m'as jamais déçu. Mais ce cas est différent. C'est un cas spécial. Ma fille est impliquée. Donc, tout ce que je veux que tu fasses, c'est de bien la fortifier. Hein? J'ai besoin d'être rassuré. Hein? C'est tout ce dont j'ai besoin de toi, s'il te plaît. D'allons, que cela soit ainsi. Ta fille partira et rentrera en paix. Que cela soit ainsi. Que cela soit c'est ainsi. C'est un petit problème. Comparé au cas que j'ai déjà résolu dans ma vie. Ça, je ne m'en doute pas. Enlève tout obstacle devant elle, s'il te plaît. C'est pourquoi tu es ici. Enlève tout obstacle ou tout ce qui peut l'arrêter. Hein? C'est ma précieuse fille, s'il te plaît. Oh, gaffe-moi. Elle verra des choses. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Moi, Oko Sisi, je serai avec elle, en esprit, tout au long de son voyage. Voilà ce que je vais entendre. Hein? C'est maintenant que tu me parles. Mais qu'est-ce que tu me disais avant là? Hein? Tu le feras? Hein? J'espère que tu le feras. Ozo, ça va t'écouter une fortune. Ce n'est pas gratuit, oh. Pourquoi tu parles comme ça? Est-ce que tu ne connais plus ton ami? C'est quoi l'argent? L'argent? Mais il n'y a aucun montant d'argent qu'on peut comparer avec ma fille. Je peux dépenser n'importe quel argent, crois-moi. Mais il s'agit de la vie de ma fille. Hein? Peu importe. Guan, s'il te plaît, consulte bien les esprits. Et dis-moi exactement tout ce qu'il exige, s'il te plaît. Allons-y. Pour les rituels de la fortification. Oh, pour la fortification. Ok, elle sera bientôt avec nous. Ozo. Oh, yeah, my friend, I'm getting out of here.
Le Dieu que je sers est là avec moi. Maintenant, je vais te transmettre les pouvoirs du grand Okosisi. Tu iras et rentreras saine et sauve. Allô, c'est Dineke. Allô, c'est Dineke. Allô, c'est Dineke. Allô, c'est Dineke. Tiens ça. Hey. Qu'est-ce que c'est? De fin Nzoko encore. Pourquoi tu me poursuis dans mon rêve? Pourquoi? Tu es mort. Mais tu me poursuis de gauche à droite dans mon rêve. Mais quel est ce genre de pression? Pression un peu partout. Je dis que Wama me menace. Les villageois aussi me menacent. Ma seule fille, ma précieuse fille, est sur le point d'embarquer dans une mission dangereuse. Et toutes ces pressions pour une seule personne. Et voilà maintenant. Ozo Konko me poursuit dans mon rêve de gauche à droite. Ça fait la troisième fois que tu me poursuis. La troisième fois. Je t'ai déjà vu trois bonnes fois dans mes rêves. Trois bonnes fois. Laisse-moi en paix. Hey! Quel est ce genre de pression? Je ne vais pas Ozo, permettre... Ozo, j'ai entendu des cris. J'espère que tout va bien. Dégage-toi d'ici. Désolé. Qui t'a appelé ici? Je pense sur des sujets sérieux. Tu viens me déconcentrer ici. Et pourtant, si un danger se pointe maintenant, tu ne feras rien. Il est là comme s'il peut faire quelque chose. Bêtise. Un bon à rien de garde. Hey! Non. Ceci sera une grande honte pour moi si je ne trouve pas une solution, mais je ne veux pas le permettre. À moins que je ne suis pas ce grand Odogo, je ne veux pas laisser cette honte s'abattre sur moi. Une telle honte ne me trouvera pas. Non. Je ne veux pas me laisser faire. You are taking the wrong way. This is the way to the market square. The wrong way? How? This is not the way to the market square. Listen, I want us to take the shorter road. Mauvaise direction. C'est par là que nous devons aller. À mauvais chemin, comment? Ceci n'est pas du tout le chemin vers là où nous allons. Écoute, je veux que nous empruntions un chemin court. Non, ça c'est pas le bon chemin.
tu risques de te perdre. Ah, ne vous inquiétez pas, le garde. Vous allez voir où on va sortir. Venez, ne vous inquiétez pas. Je t'en prie, Ijoma. Ton père nous a prévenus de ne pas prendre un autre chemin, excepté celui vers là où nous allons. S'il vous plaît, les gardes, empruntons ce chemin, ok? Je vous en prie. Mais ce n'est pas juste. Et s'il le découvre, il nous tuera. Comment mon père va le découvrir? Vous allez lui dire? Vous allez lui dire? Écoutez-moi, les gardes, j'ai quelque chose pour vous ici. Tu as quelque chose pour nous? Oui. Ça, c'est 10 000. Ok, permettez-moi de voir Dike. Sur ce chemin, s'il vous plaît, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. S'il vous plaît. Hein? Non! Je n'en veux pas. Je ne peux pas désobéir à Ozo. Jamais! D'accord. Je vais ajouter ça, s'il vous plaît. Permettez-moi de le... Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Juste ici, je vous en prie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On doit les prendre. Merci. Ok, nous allons t'escorter et t'attendre quelque part, pas très loin. Mais quoi que tu vas faire, fais-le vite. Je promets, je vais pas prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci. Faut faire vite, hein. Allons-y. Non, 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 non. Tu tiens le pied comme ça. Hein. C'est comme ça que tu vas la tenir, d'accord? Et tu, hein? Ah, d'accord, je vois, comme ça. Okay. Mmh. Allez-y, allez-y, allez-y. Ça. Ah. Voilà l'homme en question. Etchie, qu'est-ce que ça veut dire? De qui parles-tu? Tu nous fais perdre le temps et tu le sais bien. Sors là, ici, maintenant. De qui parlez-vous? Garde, cherchez partout. Etchie, il a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Fouillez partout pour qui? Il n'y a personne ici. Ichi, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, Ichi. Eoutim. Ichi, s'il te plaît, peux-tu me parler? Eoutim. Peux-tu me parler, s'il te plaît? Elle n'est pas dans cette parcelle. Je vous l'avais dit, il n'y a personne ici. Ichi, parle-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Dike, pourquoi veux-tu amener la ruine et la destruction sur toi-même et sur le royaume entier? Cette demoiselle était censée aller à la terre des esprits pour retirer la malédiction qui a été jetée sur notre terre. Oh Dieu, ça devient de plus en plus confus.
Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que quelqu'un peut me parler, s'il vous plaît? Ijoma a disparu. Quoi? Et tous les doigts sont pointés sur toi. Moi? Ichi. Même les gardes qui l'escortaient étaient tués et jetés dans la brousse qui se trouve être à côté de ta maison. Je vois que c'est une plaisanterie. Clairement, ça peut être mon Ijoma, non? Veux-tu donc prouver ton innocence? Nous partons à la résidence de Ozo et Zibo. C'est le seul moyen de prouver ton innocence. Non! Il n'ira nulle part. Nous sommes les nobles guerriers de ce royaume. L'encourages-tu de désobéir aux ordres de Ozo? Et quoi? Écoute, Ichi, je suis le chef guerrier de cette communauté. Si Ijoma, mon amour porté disparu, Ozo et Zibo auraient dû nous informer. C'est notre devoir de protéger et de défendre cette terre. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Garde. Pourquoi on perd assez de temps comme ça? Allons-y immédiatement. Pas un pas de plus. N'essaie même si pas. Si tu oses, je vais tous vous découper en morceaux. Allez, allez-vous-en. Dike. Ekune Jiko. C'est ça, hein? Allons-nous-en. 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 Vite. Oui. Vite. Ijoma. Cannot bring the person that kidnapped my daughter to this place. Non, dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que dites-vous? Quoi? Que vous ne pouvez pas emmener la personne qui a kidnappé ma fille ici? Hein? Ozo et Zibo. Dike et ses garçons étaient prêts pour la guerre. Avec les gardes que j'avais. Et je ne voulais pas qu'il y ait un bain de sang. Bain de sang? Tu dis? Quand la vie de ma fille et celle de mon peuple sont en danger. Oh, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et parfois je vois la malédiction. Pourquoi est-il que je suis entouré de gens incompétents? Pourquoi? Ozo et Zibo, pour être sincère avec toi, le Dike que j'ai vu n'a pas l'air de quelqu'un qui aurait kidnappé ta fille, laquelle il veut vraiment épouser. Je veux dire, je remarquais tout cela par rapport à ses réactions. Honnêtement. Et c'est pourquoi il est le suspect numéro un. Ouais. Ozo. Assez! Assez pour toutes ces magouilles. Je veux que tu saches que j'irai jusqu'à la source de tout ceci. Oui. Responsible for this.
Pourquoi? Pourquoi? Qui serait responsable de ceci? Ijoma est porté disparu. Et quelqu'un est responsable de sa disparition. Je ne peux pas permettre ça. Je ne peux pas permettre ça. Ibekwe. Ike. Nous devons aller voir la prêtresse. La prêtresse? Es-tu sûr? Ouais. Nous devons aller voir la prêtresse immédiatement. Allons-y. Le puissant guerrier chez moi. Salut, prêtresse Adora. Tu as l'air agité. Qu'est-ce qui te trouble autant? J'ai prié au dieu de cette terre d'arrêter la mort et tout ce qui détruisait cette terre, comme tu me l'avais demandé, et ils l'ont fait. Alors, quel est le problème? Oh, est-ce que Idioma est déjà parti dans la terre des esprits? C'est pour ça que je suis là. Où est-elle? Où? Et qui? Ojarike, Ibekwe, fouillez partout ici. Prêtresse Adora, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu appelles un chien à la fête, mais apprêtes un bâton pour le tuer? Pourquoi? Tu es venu dans mon hutte, un lieu sacré de Dieu. Pour m'embarrasser? Prêtresse, cette terre est déjà dans le pétrin et je ne veux ni toi ni quelqu'un d'autre d'y encore ajouter. Pourquoi tu agis si imprudemment? Pourquoi? Aucune trace d'elle. Aucune trace d'elle? Je te demande pour la dernière fois, qu'est-ce que j'étais venu faire ici? Ijoma est porté disparu. Et les gardes qui l'accompagnaient ont été tués. Alors je vais encore te poser la question. Où est Ijoma? Où est-elle? Et tu crois, par les dieux, que j'ai une main mise là-dessus? C'est pourquoi je suis très choqué. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Pourquoi tu t'adresses à moi de cette façon? Pourquoi? Prêtresse, j'essaie de contrôler ma fureur. Ne me pousse pas. Ne le fais pas. Pourquoi tu l'as fait? Ok. Partez de mon hutte avant que ne fasse quelque chose de drastique. Je n'ai peur d'aucun adversaire. Je suis un ancien guerrier. Je ne crains pas le vilain visage du diable. Écoute, je ferai tout ce qu'il faut pour ramener la paix à mon peuple. Je n'ai peur de rien. Tu peux faire ton pire. Vraiment? Vraiment? Allons-en! Allons-en! Oh mon Dieu! Fuyons! Aïe! 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 Attendez! Attendez-moi! Aïe! 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 Thank you.
S'il te plaît, garde ton calme. Reviendra d'un moment à l'autre. Quand? Comment? Ça fait 5 jours qu'elle est introuvable. Qu'est-ce que tu racontes? Salut, Né. Salut. Quelles sont les nouvelles? On n'a pas vu Dike. Les guerriers sont à sa recherche. Ils cherchent partout dans les villages. Il doit être retrouvé. Ils doivent les retrouver. Très bien, Né. Dites-leur ça. Ne revenez pas ici sans Dike. Oui, mais oui, sont partis. Dike. Je ne suis pas ta femme. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Ben parce que tu es ma femme. Tu dois l'accepter. Je ne suis pas mariée à toi. Je préfère mourir que de le faire. Bien. Je crois que c'est le moment de te dire que j'ai déjà payé la dot chez tes parents. Ça, c'est un grand mensonge. Tu mens! Je ne mens pas. Et tu vas le découvrir très très bientôt. Est-ce que tu sais que la hutte dans laquelle tu vis actuellement était construite par moi pour tes parents? Ils ont demandé que je construise 3 huttes. Oui, comme une partie de ta dot. Que je leur ai donnée. Ton père a une ferme de chèvres et de moutons que j'ai construite pour lui. Je lui ai donné 50 moutons et 50 chèvres pour sa ferme. J'ai donné à ton père de l'argent, beaucoup d'argent, pour prendre soin de sa demande de devenir un leader dans votre royaume. Très bientôt, très très bientôt, le roi actuel, le roi Omekago, va déclarer ton père, le premier roi de Omodike. Je lui ai donné de l'argent pour s'occuper de ça. Et c'est une partie de ta dot. Attends, tu veux me dire que mon père a fait demander tout ça juste pour que tu m'épouses? Oui, et tu le découvriras toi aussi. Maintenant, ton père accepte l'idée que tu ailles sur la terre des esprits pour mourir. Pour mourir. Si cela arrive, que se passera-t-il avec mon investissement sur toi? Que se passera-t-il? Dis-moi. Mais les dieux, est-ce que c'est vrai? Et je l'avais supplié. J'avais supplié ton père. Et qu'ai-je obtenu? Il a refusé.
il a refusé. Alors, j'ai eu ce plan. Et évidemment, ça marchait parfaitement. Parfaitement. Ozoé Ziebo, tu insistes que ma femme doit aller sur la terre des esprits. Comment peux-tu dire une chose pareille? Est-ce que je suis fou? Comment puis-je envoyer ma propre fille, ma précieuse fille, dans le monde des esprits? Ce n'est pas moi, ce sont les dieux qui l'ont choisi. Oui, les dieux l'ont choisi et je n'ai rien à faire dans cette situation. Je suis impuissant. On dit qu'elle est la seule qui peut aller changer la malédiction qui est sur cette communauté à une bénédiction. Hein? Ce n'est pas moi. Comment puis-je envoyer ma précieuse fille dans le monde des esprits? Ce n'est pas ma décision. Je ne peux pas l'envoyer là-bas. Mais il faut y penser. Ozoé Ziebo, quoi qu'il en soit, ce qui m'énerve est que ma femme doit aller sur la terre des esprits. Et je ne voudrais que rien du tout n'arrive à ma femme. Et pour cela, je dois l'envoyer chez Okosisi pour la fortifier. Okosisi? Oui, Okosisi. Okosisi est le seul Dibia que je peux croire pour protéger ma femme. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ça va. Bien que ma fille commence par à rencontrer la représentante des femmes pour la fortification. Non! Que savent-elles? Tu dois envoyer Okosisi. Je vais le faire. Comme c'est ce que tu veux. Pas de problème. Okosisi peut être cher, mais je suis plus confortable avec lui. Voilà. Pour le paiement. Et où? Hé! Hey, gars, calé quoi? Ça va. Je le ferai. Oma, ça va. Mon cher beau. Mobo. Attends, Mobo. Tu ne peux pas partir comme ça. Oui. Je pense que tout est clair maintenant. Et chacun est tranquille. Je sais maintenant que tu t'es calmé. Tu t'es calmé. Et ça va, je suis content aussi. Disons, rafraîchissement. Laisse-moi te chercher quelque chose à prendre. Hein? Ozoé Ziebo, j'ai beaucoup de chats à fouetter. Prenez soin de ma femme. Ah. Okwario, watana kanana rugio. Anazwan na kakanana nozwezi. Je dois envoyer une partie à Okosisi. Et tout cela, c'est de l'argent. Voilà de l'argent. Hey! Je vais lui donner une partie et je vais garder le reste. Mon ami, je suis venu te dire ceci. Sache que dans peu de temps, Ozoé Ziebo fera appel à toi pour procéder à la fortification de sa fille. Pour le voyage sur la terre des esprits. Je ne veux pas de ça. Au Okosisi, j'ai donné à Ozoé Ziebo un sac d'argent. Prends-le. Ça t'appartient. Et si tu en veux encore plus, je t'en enverrai bien plus que tu ne le penses. Je sais que tu es mon ami. Et je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Ouoma, mon ami. Je ne te comprends pas. Tu sais que je donnerai ma parole à Ozoé Ziebo. Alors, si quelque chose tournait mal... Okosisi, tu n'as pas du tout à t'en faire. Ce n'est pas du tout la première fois que tu me rends un service ou que tu traites un problème pour moi. Ce n'est pas du tout la première fois. Okosisi, la fille en question ne devrait pas être permise d'aller sur la terre des esprits. Je sais que tu peux le faire pour moi. Mais tu sais également que... Donne-lui 3 jours de marché. Et ainsi, j'en aurai fini avec mes plans. Woma, tu es mon ami. Et tu peux compter sur moi. Qui est le meilleur? Je le ferai pour toi.
Tu es mon meilleur ami. Je sais que tu peux le faire. Je le ferai pour toi. Au crucifix, les yeux des dieux. Ma femme. Je ne comprends pas. Tu veux dire qu'il n'y avait pas de fortification? Fortification? Pour quelle raison? Pourquoi es-tu très méchant? Donc j'allais partir à la guerre des esprits sans fortification. Et si alors je mourrais? Je n'avais pas l'intention de te laisser partir depuis le début. Mais ce n'est pas bien. Ma terre est en train de vivre une malédiction. Et je dois aller là-bas pour la délivrer. Pourquoi es-tu en train de m'intercaler? Pourquoi? Pourquoi ne veux-tu pas que ma terre soit délivrée? Tu n'appartiens pas à ce royaume. Tu n'appartiens pas au royaume de Umunike. Tu dois rester ici. Et c'est pourquoi je t'ai amené ici. En me kidnappant comme ça? C'est de la faute de ton père, pas la mienne. Est-ce que mon père t'a dit de me kidnapper? Sais-tu comment est-ce que mes parents s'inquiètent maintenant? Pourquoi es-tu si méchant? Pourquoi? Connais-tu seulement la méchanceté que ton père a montré envers moi? Est-ce que tu sais seulement combien j'ai investi sur toi ainsi que sur ta famille? Le sais-tu? Peu importe ce que tu as dépensé. Dis-moi, t'avais-t-il forcé de le faire? Dis-moi. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je veux rentrer tu chez moi. Tu n'iras nulle part. Tu vas rester ici. Tu m'appartiens. Je suis marié à toi. Et personne ne peut me priver de toi. Et jusqu'à ce que tu changes d'avis, tu ne quitteras jamais ce lieu. Crois-moi. Allez, sors de l'eau. J'arrive. Iruka, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en fous de là où on peut l'amener. Enfin, je n'ai même pas pitié d'elle ni de son père. Mais comment tu peux dire ce genre de choses? Salut. Ok, salut. Salut. Vous allez bien? Oui, ça va. Ma chère, qui m'avait ravie, mon Dike. Et mon père est mort dans son sommeil après les repas qu'il a avec son père. Qu'est-ce que tu en diras? Rien à dire si tu me demandes. Faire à ta place, et je m'en mère amie. Est-ce de sa faute? Et si ton père est mort après le repas qu'il a eu avec Izibo, c'est ce qui le rend meurtrier? Non. C'est ce qui peut arriver à tout le monde. Oh. Mais salutations. Salut. Désolé. Il paraît que tu es une amie de Ijoma. Oui, c'est moi, Iruka, sa mère amie. Ah, je vois. Iruka, est-ce que tu as une idée du sort de ton ami Ijoma? Pas du tout. Je n'étais pas avec elle quand elle a disparu. Ne vous en faites pas pour ça. Rien ne va arriver. Nous allons la retrouver.
Ziki, s'il te plaît, fais tout ce que tu peux pour retrouver ma mère, Ami. Ça va. Je ferai de mon mieux. Nous ferons de notre mieux pour la ramener. D'accord? Ok, bye. Maître, le repas est prêt. Oui, maître. Donne-le-moi. Bien. Bien, ma chère. La nourriture est prête. Mange. Mange et aime. Aime-moi encore plus. Adjali. Maître. Maître. Bien. Amène ça dans la cage pour ma femme. Bien, maître. Bien. Mange, ma chère. Mange et aime, Uoma. Mange, ma chère. Je vais lui donner à manger. Puis-je voir la nourriture? Oui. Ta nourriture, il est temps de manger. Ok, attends, laisse-moi t'aider. Thank you.
Bien. Mange. Mange, ma femme, afin de pouvoir récupérer tes forces. Tu as été affamée pendant les 3 jours du marché passé. Mange. Je ne sais pas ce que ça fait à une personne quand elle est kidnappée, n'est-ce pas? Elle est terrorisée. Elle est confuse. Elle est incertaine. Mais tu es entre des bonnes mains. Entre les bonnes mains? Et je suis enfermée comme ça? Mes parents souffrent à cause de moi. De quelles bonnes mains parles-tu? C'est bon. Non, ce n'est pas ça, non. Ce n'est pas bon. S'il te plaît, je te supplie au nom des dieux que tu sers. Laisse-moi partir. S'il te plaît. Allez où? Tu m'appartiens. Ton sang appartient à ces terres. Où veux-tu aller donc? Ok, si j'accepte de t'épouser, voudras-tu que j'aille voir mes parents? Je veux qu'ils sachent que je suis plus important, s'il te plaît. Cela ne sera pas facile. Je pourrais peut-être faire venir ton père ici. Excuse-moi? Suis-je en prison ici? C'est comme ça qu'on s'est marié. Laisse-moi partir à la terre des esprits pour sauver mon royaume. Comme ça, je veux revenir à toi. Et puis, je vais t'épouser. Non! Non, tu n'iras nulle part. Tant que la dent pourrie n'est pas extraite, la bouche doit apprendre à mâcher avec prudence. S'il te plaît. Tu m'appartiens. S'il te plaît. Tu n'iras nulle part. Apporte-moi le gros calebasse. Ok? Merci. Voilà ce que tu m'avais demandé.
Chai. Que veut dire cette disparition soudaine? Hein? D'accord. Nous devons nous éparpiller. Nous devons nous éparpiller dans cette recherche. Ok? Comment alors? Suivant une voie par nous tous ne va pas nous aider. Nous devons nous éparpiller afin d'atteindre les autres endroits. Ojarike. Dike. Suis là-bas. Cherche dans cet endroit. Très bien. Ibekwe. Tu dois suivre. Tu vois le jeune homme là? As-tu une fois vu ce visage? Ezemo. Suis-le. Hein? Ne le quitte pas des yeux. Il te conduira quelque part. Ezemo, je te croyais mort. Je dis suis-le! Maintenant! Allons-y, vite! Ezemo. Tu as vu ça? Il a dépassé notre limite. Oui. Il a dépassé Moudike. Il va vers Aouda. Ce qui veut dire qu'il n'est même pas d'ici. Que faire alors? Devons-nous le suivre? Ouais, est-ce qu'on nous a dit de le suivre? Allons-y, allons-y. Suivons-le avant qu'il ne disparaisse. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, maître. Tu vois l'homme là? Oui, je le vois. Il s'appelle Ouma. Ouma, oui. Le riche commerçant. Oui, oui, oui. C'est à lui qu'Ozozibo demande d'épouser sa fille, Ijoma. Oui, je le reconnais. Je lui ai donné le message. Elle a dit qu'elle viendra vous rendre visite dans 2 jours. Bien. Tu peux retourner à ton poste. Merci, maître. Thank you.
Qu'est-ce que ceci veut dire? Attends, attendons pour voir. Ah ah! Je t'ai dit qu'il n'aurait pas été déjà prêt. Mon mari. Oui. Idioma, idioma, ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce qui se passe? Mon mari. Oui, merci. Oui. Ça, c'est très bon. Ah, très très bon pour ma femme. Attends. Non, 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 passons à l'attaque, passons à l'attaque. Allons-y. Laisse-moi t'en donner. De l'eau. Merci. C'est très intéressant. Bouge. Allez, devant. Devant. Allez. Non, non. Devant. Allez. À terre, à terre, à terre. Ne chauffe pas à terre. Que veut dire ceci? Qui êtes-vous? Je suis Okanike, le chef guerrier du royaume du Mundike. Donc c'est toi. C'est toi qui as kidnappé Ijoma. Ça fait déjà 7 semaines. Hein? Sais-tu le dégât que tu as causé à ma terre? Le sais-tu? Je n'ai rien évoqué. Elle est ma femme. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Si tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi, va-t'en maintenant. Dike, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il est mon mari. Tu dis quoi? Pourquoi tu fais ça? Idioma, est-ce que tu vas bien? Quel est ton problème? C'est à moi de te le demander. Laisse-t-il avant que je... Laisse-le tranquille. Idioma, qu'est-ce qu'elle va pas faire? Laisse-moi tranquille. Dike, partons d'ici immédiatement. Allez, bougeons. Bougeons d'ici. Allez. Idioma, Idioma, qu'est-ce qu'il t'a fait? On y va. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Laisse-moi tranquille. Devant. Allons-y, allons-y-nous. Allons-y-nous, allons-y. Allons-y-nous.
Adora, pourquoi tu veux amener la honte de la dynastie de prêtresses? Pourquoi tu as laissé tes émotions et tes intérêts dominer sur tes responsabilités? Toute la dynastie de prêtresses et moi, ta mère incluse, nous ne sommes pas contentes de toi. Tu es censé administrer la justice et non la destruction. Encore un acte d'irresponsabilité venant de toi. Nous n'aurons plus une autre option que celle de te ramener dans le monde des invisibles. Recule d'un pas, Adora. Recule d'un pas, Adora. Recule d'un pas. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi êtes-vous ici? Prêtresse, on était en train de vous suivre. Oui, ma prêtresse, on t'est suivi. On ne pouvait pas te laisser seule. Vous savez que vous êtes comme une mère pour nous. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que faites-vous? Quoi? Regarde ma fille. Qu'est-ce que ceci Mais veut qu'est-ce dire? Qui se passe? Beaucoup de choses se sont passées et beaucoup de choses se passent encore. Qu'est-ce que cela veut dire? Dike, qu'est-ce qui s'est passé? Où as-tu trouvé Idioma, la fille de Ozo et Zibo? Nous l'avons vue chez cet homme. N'importe où, n'importe comment, je m'en fous. Ce que je dis est ceci. Ma précieuse fille doit être libérée. Peu importe. En fait, libère-la maintenant. Ici, c'est chez moi. Que personne ne vienne m'insulter chez moi. Je dis, laissez-les en paix. Dike, laisse-la. Vous ne pouvez pas venir m'insulter chez moi dans ma maison. Papa! Laisse pas cet homme partir comme ça, s'il te plaît, papa. Il est venu de la maison de mon mari et quand on commence à nous déranger, c'est pas comme ça. Ferme-la. Imaginez. Qu'est-ce que tu racontes? As-tu perdu la tête, Idioma? Mon peuple. Il y a beaucoup de conspirations dans cette communauté. Oh. Ouais. Hey. Beaucoup de complots. La femme d'Ozo a comploté avec cet homme pour kidnapper Idioma. Cette femme a pris de l'argent
de cet homme à travers un de ses gardes. Celui-ci. Hey. Voici votre homme. Deux gardes ont été envoyés pour kidnapper Ijoma. Hmm. Et ils ont tué deux gardes, deux de nos chers gardes, dans le processus. Mais c'est vraiment un sacrilège. C'est pas possible. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est elle qui m'avait envoyé aller prendre de l'argent auprès de mon maître Ouoma. Hey! Esclave! Dike, tu es abomination. Et crois-moi, tu vas regretter tout ce que tu viens de dire. Ce ne sera pas le cas. Beaucoup de secrets vont être révélés. C'est vrai ça? Allez, réponds. Réponds. Mais réponds, non. Vas-y, réponds. Les deux se sont arrangés pour la kidnapper. Ils ont fait le complot ensemble. Ouais. Salut tout le monde, salut. Je dois dire quelque chose à tout le monde. Tais-toi et ne dis rien du tout. S'il vous plaît. Tais-toi. Je dis tais-toi et ne dis rien du tout. L'as-tu kidnappé ou pas? Je ne l'ai pas kidnappé. Elle est ma femme. Ta femme? Quand l'as-tu épousée? Demandez à son père, demandez à sa mère, j'ai payé sa dot. C'est ça. Spécial. Un arrangement spécial. Non. Tu dois être non. là. Tu Mon dois ami, être là. Dis non. En tant que qui? Oui. En tant que qui? Oui, écoute. Ta fille était censée aller dans un voyage pour guérir le royaume entier. C'est ma fille. De quoi es-tu en train de parler? Étais-tu au courant du kidnapping ou pas? Réponds. La réponse. Je ne suis pas. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Ah, je ne suis pas au courant. Comment elle doit aller à cette mission? On ne doit plus l'épouser. À ce qui me concerne, la femme de Ozo et Zibo. Et ce criminel. Laissez mon mari tranquille, laissez-le. Même s'il est mort, d'une mort étrange, mais il a été bien enterré. Il a été enterré avec tous les honneurs. Hein? Vraiment? Oui. C'est vrai ça? Quoi quoi, Yonfuma? Oui. Oui. Ah! Ogini. Maman, papa, qu'est-ce qu'il y a? Prêtresse, je vais confesser. Mon peuple, oui, je vais confesser. Confesse. Fais-le vite. Confesse. Hey. C'est mon meilleur ami. C'est un homme riche que vous voyez ici. Nous avons tous les deux tué. Pas besoin de le cacher. Il est temps de dire la vérité. Nous deux, nous avons tué
Ozon Konko. Hey! Il m'a donné du poison que j'ai utilisé pour le tuer. C'est un homme très riche. Il m'a donné du poison. Bien arrangé parce que c'est un poison très cher. On l'a utilisé pour tuer Okonkwa. Nous l'avons utilisé pour tuer Ozon Konko. Oui, c'est un homme riche. Cet homme est très très riche. Et il m'a donné de l'argent pour acheter ma terre agricole. Oui, même mon bétail de moutons et de chèvres. C'est lui qui m'a donné de l'argent. Vous pouvez remarquer que je vis bien. C'est lui qui m'aide. Hein? Cet homme m'aide énormément. Et il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il n'a. Regardez ma case. Je l'ai construit, je l'ai aménagé. En fait, je planifie de faire plus. Cet homme est très riche. Mais son intérêt est ma fille. Son intérêt, c'est ma fille. C'est ça son intérêt. Et mon intérêt, c'est son argent. Donc, il m'aide avec de l'argent. Et de mon côté, c'est de lui donner ma fille. Donc, nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Woma est un homme riche. C'est pour cette raison que tu avais tué ton ozo, Konkwa, n'est-ce pas? Je suis désolée. Je vous en prie, pardonnez-moi. J'avais rêvé Woma ici présent une potion pour qu'il donne à ma fille. Agualomgi? Parce que je ne voulais pas qu'elle se rende à la terre des esprits. Je ne voulais pas que ma fille meure. Je vous en prie, pardonnez-moi. Elengbele. Par le Dieu, j'ordonne que Ozo et Zibo doit être puni à mort pour avoir tué les pauvres Ozonko. J'ordonne encore ici que Roma doit être mis à mort pour avoir conspiré de tuer les pauvres Okonkwa et pour avoir aussi tué des grands gardes de ce royaume. Ils doivent être mis à mort. Sœur! Et toi, la femme de Ozo Izibo, tu seras punie tous les restants de ta vie. Silence, fermez tous vos bouches. Dis que tu seras couronné roi dans le prochain Eke Make Day. Mon peuple, désormais, la paix régnera dans la terre des Omodike. Mes salutations, mon roi. Salut, la grande prêtresse de notre communauté. Comment tu as passé la nuit? Ma nuit s'est passée à merveille. C'est bien. Bien, je suis là pour te remercier pour avoir dit la vérité et par conséquent sauver notre terre immoliquée de la condamnation. Tu vois, je ne m'attendais jamais à ça, considérant ce qui s'est passé entre nous. J'ai rencontré la mère de toutes les prêtresses. Ma mère, j'ai juste obéi à ses instructions en reculant d'un pas. Je m'étais laissé emporter par mes émotions, mes intérêts bidons, mes gloires aux dieux qui m'ont donné cette opportunité d'assumer une responsabilité comme il faut. Merci aux dieux de nos ancêtres. Merci, tu as fait ce qui était juste.
Que le Dieu soit loué. Tu sais, je n'ai jamais su que j'en arriverais là et promouvoir la justice. Peu importe. Je veux que tu rencontres quelqu'un. Quelqu'un? Oui, quelqu'un. Qui est la personne? Elle est celle qui t'est destinée. Elle était hypnotisée par ces malins de Woma. Mais les dieux l'ont fait retrouver ses sens. S'il te plaît, accepte-la. Ijama, viens. Pour apaiser l'esprit des Elous, afin de sauver ces terres de cette calamité. Ok, un prix à payer. Ok, c'est bien. Maintenant, c'est quoi ce prix à payer? Combien de chèvres? Combien d'agneaux? C'est combien le montant? Je suis prêt à tout offrir. Les sangs. On doit verser les sangs humains pour apaiser l'esprit des Elous. Et je suis prête à prendre cette responsabilité. Écoute, tu ne peux pas faire ça, d'accord? Tu ne peux pas faire ça, tu es notre prêtresse. C'est terre de Monique a besoin de toi. Tu ne peux pas faire ça. N'y a-t-il pas un autre moyen? S'il te plaît. Je suis la cause de cette calamité. De ce fait, je suis prête à sacrifier ma vie pour cela. Non, 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 non. Non, non, écoute, prêtresse. Monique, permets-lui. Tel qu'elle a dit, on demande le sang humain pour apaiser l'esprit de Zeus, afin que la paix retourne dans cette terre. Écoute, cette prêtresse est importante pour notre terre. Elle nous est chère, on ne peut pas se permettre de la perdre, s'il te plaît. Elle avait réveillé l'esprit de Zeus, et elle doit payer pour ça. C'est ça en fait la culture. Ô roi, vis éternellement. Laisse que le Dieu vous bénisse.